Oh mon dieu, c'est le sous-sol du sous-sol, c'est possible ça? C'est-à-dire qu'on est dans le sous-sol, on est déjà sous la maison, et ils ont rajouté encore un sous-sol. Et on dirait un petit studio annexe. What the hell is happening? Le trajet jusqu'à mon poste de garde était long, tout comme les premiers mois de son absence. C'est dur d'être là, mais peut-être que c'est ce qu'il me faut pour échapper à ces souvenirs douloureux. Si c'est trop fort, vous me le dites. Une chance de faire face à la souffrance pour trouver un moyen de continuer à vivre sans elle. Je ne peux m'empêcher de voir que la tempête imminente semble refléter mon propre tourment. Comme si le temps résonnait avec mes émotions. Peut-être qu'un jour, la tempête dans mon cœur se calmera et le soleil brillera à nouveau. Mais pour l'instant, je dois continuer à aller d'avant. Un pas solitaire à la fois, pas à pas. Ceci est une alerte météo spéciale à tous les habitants de la communauté. Une tempête sévère approche et devrait nous atteindre dans les prochaines heures. Nous recommandons à tout le monde d'agir immédiatement pour protéger vos biens et vos vies. Nous vous conseillons de rester à l'intérieur, garder vos fenêtres et portes fermées et ne laisser rien traîner dehors. N'oubliez pas, les vents forts peuvent être dangereux, alors ne prenez pas de risques inutiles. Ne prenez pas cette tempête à la légère, traitez cette situation sérieusement. Restez à l'écoute pour de nouveaux développements et soyez attentifs. Le jeu a l'air trop beau. Voyons voir comment se passe la première journée de travail. J'espère que la tempête ne sera pas aussi terrible qu'ils ont annoncé à la radio. Vous êtes sûr que c'est pas trop fort, les amis? Parce que moi, ça a fond la caisse. Vous pouvez sprinter, accroutir et sauter. Ok, on peut sauter, courir et se mettre à quatre pattes. Parfait. Merci Audrey pour le sub, pour les 4 mois. Merci beaucoup Audrey. Merci Lily pour follow sur Twitch, même de la commu. Mais attendez, elle éclaire rien la lampe, il y a un problème. La lampe, elle éclaire rien. Ah ok, c'est bon. Je pense qu'on est garde forestier à mon avis. J'insiste, hein, vous me dites s'ils sont, c'est trop fort. Hein. Salut Zali, ça roule. Merci Mistagada pour le follow, bienvenue à la commu. Ouais, on est venu en moto. Je pense qu'on est garde forestier comme dans le dernier First to Fatome. Encore un peu fort, c'est vrai? C'est vrai les amis, c'est un peu fort encore. Merci Cypher pour le follow, bienvenue à la commu, bienvenue à tous les arrivants. Salut ma biche, salut tout le monde. Ouais, ok, je vous le rebaisse un petit peu. Je voulais rebaisser. Vous me dites si c'est encore trop fort. Normalement, j'ai pas beaucoup diminué. Le live a coupé. Ouais, on a des problèmes sur TikTok. Naomi, je relance dans 15 minutes. Allez, on y va. Bienvenue tous les nouveaux arrivants. On se lance. C'est quoi cet énorme manoir? Au top? Je pense que c'est bon, là. Je suis jamais monté ici. Cet endroit m'inquiète. Pourtant, il m'a l'air si familier. Attendez-moi, faut que je le baisse un peu parce que ça m'arrache les oreilles. Il est fort, le son du jeu. Bonjour Robert, au sujet de la résidence Huxley, j'ai laissé la clé du dépôt sous la carpette, c'est un tapis la carpette, hein. Au cas où tu as besoin d'entrer, j'espère que tout est en ordre, Jonathan et Jennifer. Sous une carpette. I should grab the key under the mat at the main entrance door. Ok, je vais prendre la clé sous la carpette, t'as passé des bonnes fêtes de Noël Zali? Merci Béatrice pour le follow également. Bienvenue à la commune. Ne vous inquiétez pas, je vous relance dans 15 minutes sur TikTok pour ceux qui préfèrent TikTok. Je suis pas du genre à vous forcer Twitch, bien au contraire. Enfin, non, pas au contraire, hein, mais. Merci Léa pour le follow également. Bienvenue à la commune. On peut voir un peu ce qu'il y a dans la maison. Ah, Chloé, elle a la ref. Ça trahit votre âge, hein, ceux qui ont la ref. Hein. Merci Laïti et David pour vos follow. Bienvenue à la commu. On fait les malins tant qu'on n'est pas rentré dans la maison, mais... Oh. Elle a l'air incroyable, la maison. Le... Oh, il m'a fait peur! Vous êtes qui, monsieur? You never left.
You Never Left, ça veut dire tu partiras jamais, non? Le jeu est incroyable. Il est vraiment... Ça fait un moment, les amis, que je veux le streamer, mais il y a tellement de jeux qui sortent en ce moment. You Never Left, je crois tu ne partiras jamais. Tu ne partiras pas, ouais. Merci Millie pour les 4 mois. Merci beaucoup Millie, ça va? T'as passé des bonnes fêtes? Il y a une gargouille. On est bloqué dans la résidence? Putain, on est bloqué les amis dans la résidence. Merci Galona aussi pour les 3 mois d'abonnement en avance. Merci énormément Galona. Ça te garantit le badge du petit fantôme dans 3 mois. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est barré de la maison sans bouffer les tranches de pain de mie. Et en général, quand tu toses des tranches de pain de mie, c'est pas pour se barrer après. Ok, on peut ouvrir que par la porte de devant. Je regarde juste le petit tour, les amis, si on loupe rien. J'aime bien faire le home tour au début des jeux. Oh, la maison, elle a l'air incroyable. Je vous jure, la maison, elle a l'air incroyable. Vous avez entendu? Il y a une petite fille qui a parlé, les amis. Essaye de rafraîchir, Pomette. Il n'y a pas l'air d'avoir de bug. Si vous avez un bug, rafraîchissez. Il y a une petite voix de petite fille qui nous a dit « Eh, tu veux jouer ?» et qui s'est transformée en voix un peu de démon. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on a récolté une planche et t'es marqué que ça sert à barricader les portes. Je sens qu'il va falloir empêcher des gens de rentrer à un moment donné. J'éteins souvent la lampe parce que vous voyez pas, mais en fait j'ai un nombre de batteries limité. J'avais une icône de 3 piles, j'en ai plus que 2. Donc faut que je fasse attention avec la lampe de torche. Attention d'avoir entendu un bruit, mais... Elle a l'air très bien cette maison. J'utilise un système de checkpoint avec un total de 4 checkpoints. Ok, donc en fait, on va avoir 4 sauvegardes dans le jeu, les amis. Je vous dirai, les amis, quand je relance TikTok. Je vous inquiétez pas, je vous dirai tout. Profitez du jeu tranquillement. Ok. Il n'y a pas de courant, faut qu'on trouve les 2 fusibles. Merci Yeskila pour le follow sur Twitch. Bienvenue dans la commu. Leon, help me, Leon. Vous avez entendu la voix de démon? Il y a une voix de démon qui a gueulé. Non! Il y a une voix de démon qui a gueulé non et ils ont barricadé une porte. En fait... Non, c'était pas un lion, c'était une voix de démon. Pour moi, c'est une voix de démon, et en fait, je pense qu'ils ont fermé quelqu'un, ils ont cloué la porte. On peut pas clouer la porte avec la planche qu'on a, on le fait, non? Merci Bédou pour le follow sur Twitch. Bienvenue dans la commu, et Yeskelia, je sais plus si je l'ai dit. On peut pas mettre la planche? Non, 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 on n'ouvre pas, non, non, on ouvre pas, on n'ouvre pas cette porte. Surtout, on n'ouvre pas. Je pense que il y a quelqu'un qui s'est fait posséder, et je pense qu'ils ont cloué la porte, ils l'ont fermé dans le sous-sol. Je pense que c'est le... Ah! Je pense que c'est la porte qui va au sous-sol. Le problème, c'est que... Les fusibles... Comment la télé peut marcher? S'il n'y a pas d'électricité. Il y a des plumes de corbeau. Je pense qu'il faut remettre les fusibles à la cave, donc il va falloir descendre au sous-sol. Oh non, il y a des croix! Dans tous les jeux d'horreur où il y a des croix, elles finissent par tourner à l'envers, vous le savez.
Ça c'est quoi? Fusible électrique. Je crois qu'il en faut deux, les amis. Il faut en trouver deux et je pense qu'on ne va pas avoir le choix, il faut aller au sous-sol. Ah, un petit problème. Merci Yaskelia. Il me reste plus qu'une... Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas réel. Tout ça, c'est seulement dans ta tête. Non mais surtout, les amis, on vient de là. Les amis, on vient de là. Ça a changé. Les murs ont changé. Les murs ont changé. On vient de là, les amis. On peut plus revenir en arrière. Soyez patients, les amis TikTok. Soyez sympas, les gens Twitch. Ils vous réservent un bel accueil. Soyez sympas. Ça sert à rien de spammer. Je vous relancerai quand ça sera prêt sur TikTok. Hein ? Ça fera pas accélérer de spammer. Vous inquiétez pas. Là, vous êtes bien. Je vais relancer dans 5 minutes. Je vous le dirai. Salut Deline. Coucou les arrivants. Menteur, 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 menteur. C'est réel. Cette chose est vraie. J'ai plus de piles. J'ai plus de piles, les amis. Je suis dans la merde. On a d'autres piles ? Putain, on a pas d'autres piles en plus. Comment on va faire ? J'espère que ça va pas être le noir complet dans le sous-sol. Peut-être que c'est avec les tableaux, non ? Merci Laetitia pour les 100 bits. On peut l'éteindre, on l'éteint ou pas? Je suis pas trop chaud pour les... Ouais ouais, c'était marqué que c'était pas réel, que c'était seulement dans ta tête et ensuite ça met... Non, t'es un menteur, c'est vraiment réel. Je ne peux plus supporter ça plus longtemps. Moi je suis pas chaud pour fermer la... pour éteindre la bougie, hein, les amis. Je suis vraiment pas chaud, hein. Alors, on va se concentrer sur le petit chat à côté. C'est le petit chat d'Ameline. Je pense que c'est mieux. Oh, attendez, je rêve ou j'ai vu quelqu'un? Il y a quelqu'un? C'est quelqu'un? Non, c'est le pinot, on aurait dit qu'il y avait quelqu'un. Je crois qu'on n'a pas le choix, les amis. On l'éteint? S'enlever le mur. Putain, on voit rien, j'ai plus de pile. La priorité, c'est trouver une pile. Cassette VHS, intitulée Au fond de l'inconnu, le journal d'une équipe d'exploration à la recherche d'indices sur le prophète du jugement. Oh my god, ça a parlé de secte, ça. Intitulé L'antre de Motsman, un documentaire explorant les origines et le folklore autour d'un monstre légendaire. Merci Tendero pour follow sur Twitch, bienvenue dans la commu. Intitulé Les chroniques de Motsman, une collection de témoignages et d'interviews avec ceux qui ont rencontré l'étrange créature. Je me demande si c'est pas une créature un peu en mode moitié humain, moitié corbeau, parce qu'il y a des plumes de corbeau noir. Je trouve ça bizarre qu'il y ait ça. J'ai l'impression que c'est pas là pour rien. On voit rien. Merci Shana pour le follow sur Twitch, mais dans la commu. Les toilettes sont propres, plus ou moins, c'est déjà ça. Il y a une bougie à éteindre, mais... Putain, il n'y a pas de pile, les amis, j'arrive pas à trouver de pile. What the fuck is happening? C'est quoi ce bordel? Am I hallucinating?
Where did this woman's body came from? D'où est-ce que le corps de cette femme sort? Comment ça le corps d'une femme? Comment ça le corps d'une femme? C'est quoi cette grosse seringue? Comment ça le corps d'une femme? Comment ça le corps d'une femme? Oh putain, en plus ils lui ont mis une serviette sur la tête, les amis. Je vais relancer pour TikTok, les amis. On est good. Faut qu'on trouve une... C'est trop la merde sans pile. Faut qu'on trouve une pile, on peut rien voir. Faut que j'économise un peu plus la lampe. Le problème, c'est que moi, j'aime bien prendre mon temps et regarder tous les détails, etc. Sauf que le problème, c'est que la pile, elle est limitée. Donc, il faut que je pense à plus souvent l'éteindre et à vraiment l'allumer que quand c'est nécessaire. Merci Malia pour le follow sur Twitch. Bienvenue dans la commu. Les amis TikTok, je viens de relancer. N'hésitez pas. Je vais me refaire ban avec le gros plan sur la bonne femme. mais bon. Il y a un truc décrit ? Ah, vous avez raison. Dans le sang, dans l'eau imprégnée de sang, la fin tragique d'une mère. Re les amis TikTok, c'est bon, ça remarche ? Attendez, moi ça marche pas trop, ça déconne. Hop. 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 Voilà. Re les amis TikTok, je compte sur vous pour liker, repartager. Salut Nino, comment ça va? Impeccable Deline. Attendez, je reprends 2 minutes les amis, le temps que les amis TikTok rebasculent. Pour ceux qui le souhaitent, désolé encore hein, les amis Twitch, je vous ai rien demandé, je vous coupe. Mais Re les amis. Ouais, il y en a qui préfèrent tourner sur TikTok, il y en a qui aiment bien Twitch. Ouais, là où vous êtes bien, c'est la même communauté les amis, donc vous inquiétez pas. Je compte sur vous pour relaquer, repartager, re-Charline, ça aide beaucoup quand il y a une coupure. Salut Morgane, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, on vient de relancer les amis, on a une coupure. Je compte sur vous, on a un tout petit peu avancé dans la maison, vous avez pas loupé grand chose. Apparemment il y a des cachettes VHS sur une espèce de secte ou d'une créature mythologique. Et là il y a le corps d'une femme dans la baignoire qu'on vient de retrouver. Pareil Nino, je suis trop content de vous retrouver. C'est bon, c'est reparti, vous êtes là les amis TikTok? Merci Kevin pour le partage. N'hésitez pas, spammez les tapotages de like et partage. Et c'est nickel. Ça dépend Erwan, c'est bien pour plein écran. Moi j'aime bien regarder des lives TikTok aussi, j'aime bien les deux. Allez, let's go. Ouais, j'y ai pensé, Draken, mais non, il y a rien, je suis dégoûté, il y a pas de pile. Par contre, j'en fais quoi, moi, de madame qui prend son bain? Attendez. Parfait, on a une nouvelle pile. Merci Polo13 pour le follow sur Twitch, bienvenue dans la commu. Ok, on va l'économiser à mort. Pour rappel, il nous faut des fusibles pour mettre le courant. On en a déjà un. Donc si vous voyez un fusible ou une pile, vous me le dites. Je vous montre, les fusibles ils ressemblent à ça. C'est des carrés blancs avec 2 fils de chaque côté. J'ai l'impression que la façon dont les taches de sang nous parlent, on n'est pas étranger à la maison. Ça n'arrêtait pas de nous dire menteur. Oh merde, il y a une trace de sang sur le placard aussi. J'ai l'impression qu'il n'y a rien dans le placard, les amis. Ça se trouve, c'est nous qui avons fait tout ça, hein, tout à fait. Hein. Je pense qu'on n'est pas étranger à la maison parce qu'il a dit qu'il avait des souvenirs. Je pense qu'il a oublié. Je sais pas comment. J'ai l'impression qu'il a perdu la mémoire. Et qu'on va redécouvrir ce qui s'est passé dans cette maison avec lui. Parfait, on a une nouvelle pile. Ok. Il nous faut un fusible. Hein. Je sais pas si ça s'ouvre ces placards-là. Re les amis. Re les amis TikTok. Coucou les nouveaux arrivants sur Twitch aussi. Là y'a rien. On peut peut-être regarder les cassettes, non? J'ai pas trouvé de magnéto. Ça aurait été bien de voir les cassettes.
On peut pas embarquer les cassettes. Ouais, je sais, démon, mais je suis obligé. Dans le placard, il faisait trop noir. Vous inquiétez pas, on a retrouvé deux piles. Merci Galona pour les 100 bits. Merci beaucoup. Si j'oublie des notifs, vous me le dites, hein. On va revenir par là, vers la cuisine. Je pense que la cuisine, elle a bougé depuis qu'il y a eu tout ça. Déjà, j'ai pas tout ouvert ici. Oh, c'est quoi? C'est les crasses patates, ça? C'était marqué examiner les... Non, moi je vois pas. Là, je vois trouver les deux fusibles. Ah, sur les cassettes, on pouvait les examiner en détail. En fait, je voulais les embarquer pour les mettre dans un magnéto, mais ça les proposait pas. Mais on peut peut-être les examiner, c'est les lire, non? Ouais, on l'a fait déjà, ça. On les a déjà lus. On voit que le mec, il utilise vachement... Il fait vachement de la purée et de la soupe de légumes. Oh, ce bordel, il y a 15 millions de tiroirs, attendez. Je vais tout refermer après, parce que je vais plus savoir où j'en suis. Ok, ça on a fait. Le lave-vaisselle, on peut pas. Il y a un meuble derrière. Je vais le faire aussi. J'ai vu l'îlot central, hein, vous inquiétez pas. Eh, c'est pour les escargots? Non, c'est pas pour les escargots, c'est trop gros. Regardez, les patates, elles sont encore là. D'ailleurs, c'est quoi? C'est de la viande? Je crois que c'est de la viande qui est un peu pourrie. Là, on peut pas ouvrir. Pour les huîtres, c'est vrai? Je sais pas ce qui a bougé, mais ça m'a fait peur. Il y a eu le son avec un truc qui a bougé. J'ai pas compris ce que c'était, mais... Je suis désolé si je vous ai fait sursauter, mais j'ai le son à fond la caisse. Le son du jeu est fort et je l'ai à fond dans les oreilles, donc forcément. Coucou, heureux, les amis TikTok. Désolé pour la coupure encore. Je compte sur vous. N'hésitez pas à retapoter les likes à fond et partager. Ça aide beaucoup. Ça compense la coupure. Et ça, c'est quoi, les amis? J'ai jamais vu. Non, mais attendez, ça, c'est quoi? Ah si, c'est pour les tagliatelles. C'est pour les pâtes. C'est pour les tagliatelles. C'est le couvercle qui a bougé, Amélie? C'est une araignée? Oh non. Vous savez que demain... Les amis, demain, en début de soirée, soyez là à 19h. Soyez bien là à 19h, parce qu'on va faire le jeu qui est dans un centre commercial avec une araignée géante qui nous court après. Il va falloir faire des choix pour lui échapper, donc je compte sur vous. Sentez la petite olive. C'est ça, vous avez vu? En fait, je fais genre, je m'y connais pas, mais... Je suis pas un grand cuistot, mais j'aime bien cuisiner, j'en fais un peu. Ça, c'est pour le parmesan au pecorino. Moi, je préfère le pecorino au parmesan. Les gens connaissent surtout parmesan, mais le picorine, c'est incroyable. Si vous aimez le sel, c'est une dinguerie. Je vous jure, c'est une dinguerie. Comme fromage italien. Bon, il n'y a rien dans la cuisine. Ah, regardez! On peut sortir maintenant, par ici. Le picorine, ouais. Il y en a qui connaissent le picorine? Beaucoup tous les arrivants. Beaucoup de pizza. Des bières. Des spaghettis à la bolognaise. Coucou Amnésiaque, j'espère que vous avez tous passé des bonnes fêtes de Noël, les amis. Merci beaucoup d'être là. J'arrive pas à trouver le deuxième fusible, hein. C'est comme du parmesan, mais c'est salé. C'est très salé. Mais c'est genre trop bon. Trop, trop bon. Ça ressemble vraiment, hein. C'est un peu la même texture que le parmesan, surtout quand tu le râpes, mais... Dans la cave? Ouais, il faut qu'on aille dans la cave. Ouais, mais dans la cave, je pense que c'est pour mettre le fusible. Vous pensez que c'est dans la cave? Je pensais qu'il y avait les deux fusibles à l'étage. Salut Gizoui, ça va? Ah, les amis, vous pouvez fêter un bon anniversaire à Gizoui, qui est pareil, un enfant prodige qui est né le 25. je me serais attendu à ce que les fusibles soient là. Je crois qu'on va descendre dans la cave, on est obligé, hein. Attendez, je vérifie si on a rien loupé. Ça lui fera plaisir.
Ah, c'est bon, on l'a, les amis. C'est bon, on a le deuxième fusible. On peut se barrer. Enfin, la cave, il y avait une voix de démon qui disait non, hein, quand même. J'ai cru que c'était un test de grossesse, alors que non, c'est une pipe, n'importe quoi. Bon, vous êtes prêts, les amis? Vous êtes prêts? On va dans la porte où on s'est fait rejeter en mode non. Demain, on fera ça et on fera Testil 2, les amis. Le jeu qu'on avait commencé. T'as des bons anniversaires aussi sur TikTok. Merci à vous, les amis TikTok, pour lui. Par contre, on a chopé plein de piles, ça fait plaisir. Je pense que les piles, ils les remettent au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Ah putain, faut qu'on trouve la hache. Ok, faut qu'on trouve une hache, les amis, je peux pas, là, comme ça. Shift, allez. Ok, je pense qu'il faut qu'on trouve la hache. C'est pas l'extérieur. Il y avait un cabanon à l'extérieur. Vous pensez pas que la hache, elle peut... Oh putain, il y a un étage, mais c'est super grand. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu. Oh mon dieu, les tableaux de l'enfer. Merci pour tous les gifs, les amis TikTok. Dehors ? Attendez, on va faire l'étage d'abord, comme ça on aura fini le home tour. Je devrais établir le courant avant de montrer les, avant de monter les escaliers. Ok, on va essayer dehors. Parce que moi je sens bien la hache dehors, mais c'était fermé. Merci Mamounette pour le follow sur Twitch, bienvenue à la commu. C'est bon. Ah putain, c'est là qu'on remet le courant. Alors déjà, je crois que j'ai vu la hache. Elle est où la hache? Là. Non, c'est pas une hache, c'est une pelle qu'elle nous remet, mais c'est pas grave. Vous voyez une hache, vous? Il n'y a pas, hein. Je sens que je vais prendre une patate. J'ai l'impression que c'est pas le bon fusible. Ah si. C'est bon? On va essayer d'économiser là. L'électricité est rétablie. Voyons maintenant ce qui doit être réparé. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de hache ici. Hein. Salut Moïji, salut tous les nouveaux arrivants. Point d'exclamation game pour le nom du jeu, que ce soit sur Twitch ou TikTok. On va pouvoir aller faire l'étage maintenant qu'il y a l'électricité. Ça y a éteint dans le jardin. Je pense quand même qu'on peut aller à l'étage parce qu'on pouvait pas aller à l'étage à cause de l'électricité. Ça me semble le prochain endroit logique où aller. C'est le deuxième jeu, Tom. Oula! Alors, trouver un accès au sous-sol. Sécuriser les fenêtres ouvertes, barricades celles qui sont brisées. Oh les amis, il y a un monstre, ça parle d'une bête légendaire. Je pense qu'il y a une bête qui va nous attaquer dans la maison. Et je pense que ça va être un peu home invasion, où il va falloir tout sécuriser. Donc on va allumer les lumières de partout et sécuriser comme ils nous ont dit. La maison elle est magnifique, elle est pas en très bon état mais... Ok, on a un peu plus d'emplacement d'inventaire. Il y a un petit côté Resident Evil avec les emplacements d'inventaire, je trouve. Pourquoi ils ont tout barricadé, là? Ok, faut vraiment qu'on trouve la hache. Je sais pas pourquoi, mais ça sent la course-poursuite dans la maison, vous trouvez pas? Le fait qu'il y ait des chemins qui soient bloqués, qu'il faut les débloquer... Ah oh putain, on peut pas prendre l'épée, je suis dégoûté, j'aurais trop voulu prendre l'épée. Pourquoi on se fait chier à trouver une hache alors qu'on a l'épée de Highlander juste ici? My god. Ok, faut vraiment qu'on sécurise toutes les fenêtres. Ça, c'est la clé de quoi ?
Clé du couloir. Ok. Là, y a rien. Sèche-cheveux. Salut Crappy Craps, comment ça va? Coucou tous les arrivants. En vrai, des piles, on en a pas mal, hein. On avait un problème de piles, et là, on en a 6, donc on est pas trop mal. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un dedans. On a déjà eu quelqu'un tout à l'heure dans une baignoire, ça suffit. Ok. Ouais, il faut qu'on récupère des planches. De toute façon, je récupère ce qu'on peut récupérer. J'essaye déjà de suivre les objectifs dans l'ordre. C'est trop gentil, il y a quelqu'un qui nous a ouvert la porte. Je peux la prendre, cette planche? Ah oui, je peux la prendre. What in the world is going on? Qu'est-ce qui se passe? Y'a quelqu'un qui se fout de ma gueule ou quoi? Je crois pas, Elori, mais je retournerai voir si je suis bloqué, on refera le tour des pièces. Attendez, la clé du couloir. Ah non, coupez la chaîne. Parce qu'on a eu la clé du couloir, les amis. Ok, c'est pas ça. Ça doit être en bas, je pense. Ok, la chambre de la petite fille. Donc ça, vous pouvez être sûr que ça va être l'enfer. Il y a une petite fille maléfique qui va nous courir après à un moment donné. On va allumer la lumière, on sait jamais. Ok, parfait, une planche. Ça va nous permettre de sécuriser les fenêtres qui sont en bas, je crois. On peut les sécuriser, celles-là? Non, je crois que c'est les fenêtres qui sont en bas qu'on va pouvoir sécuriser. Bizarre ce meuble. Il brille dans la nuit. Merde, ok, il y a un code à 4 chiffres à trouver. Je crois pas qu'on a encore les indices nécessaires. Faudra peut-être qu'on fasse gaffe au tableau. Soit c'était pour cette porte, soit il y avait une porte au rez-de-chaussée où on pouvait passer que d'un côté. Coucou tous les nouveaux arrivants. Ah putain, Loïc, j'ai cru que c'était dans le jeu. C'est dans le jeu ou pas, là? Laissez-moi entrer. Je suis votre ami. Vous ne vous rappelez pas de moi? Alors, attendez, parce que laissez-moi entrer, les amis, ça peut être laissez-moi entrer dans la maison, mais ça peut être laissez-moi entrer dans le sens où quand on se fait posséder. Si ça se trouve, on s'est fait posséder, c'est pour ça qu'on oublie, on a tout oublié. Parce que la voix, elle avait l'air un peu démoniaque, quand même. C'est quoi, ça? Manche de hache brisée. Ok, ça, on peut le prendre. Donc je pense que la hache, elle est en deux morceaux. Faut qu'on trouve l'autre partie. Il y avait des yeux rouges tout à l'heure quand j'ai fait à la fenêtre, c'est vrai? Il y avait des yeux rouges, je les ai pas vus. On peut pas prendre l'épée? On peut pas prendre l'épée, dommage. Dragon Slayer.
Ok, on peut pas plus barricader. Je crois qu'on a tout fait à l'étage. Je pense, hein. Faut qu'on aille sécuriser au rez-de-chaussée comme ils veulent. Comme ils nous ont demandé. Ça, on peut pas le péter encore. C'est quoi, ça, on a fait? Ouais, c'est d'où on vient. Je crois qu'on a tout fait à l'étage pour l'instant. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont avec les spaghettis à la bolognaise dans les jeux d'horreur, mais... Est-ce que la clé, c'est pas pour ça? On l'a encore, la clé? On l'a plus, je crois qu'on a utilisé la clé. Donc là, ça va être bloqué encore. Ok, lumière et fenêtre. On doit checker. Deuxième fenêtre du foyer, petite fenêtre du salon. Il y en a dans la cuisine aussi. That is a lot of mold. C'est beaucoup de moisissures, ça. Je sais pas si on avait vu cette partie, les amis, de la maison. Je suis pas sûr qu'on ait vu. Si, on y est passé, mais... Page 10 sur 20. Mon fils s'est réveillé en hurlant en pleine nuit. Il a dit qu'il a vu les yeux d'un énorme papillon de nuit dans sa chambre. J'ai horreur des papillons de nuit, les amis. Avec les araignées, c'est dégueulasse. Il avait des bleus sur les bras et les jambes. Je me souviens pas l'avoir vu se blesser récemment. Ok. C'est génial, on va avoir un monstre papillon de nuit qui va nous courir après. C'est parfait. Tout ce qu'il fallait. Là, je pense qu'on va pouvoir barricader, du coup, vu qu'il n'y a plus les... En fait, on peut barricader là où il y a les fenêtres qui sont pétées. Ok, on a des cassettes. Il nous reste la fenêtre de la cuisine et la fenêtre du salon. Et je crois qu'il va nous manquer une planche pour la fenêtre du salon. Parce que j'ai l'impression que ça prend deux planches pour barricader. Motman, mot égale papillon de nuit. Ah putain, c'est ça, Mini. Oh non, c'est l'homme papillon de nuit, ça va être l'enfer. Ah, peut-être qu'on est le fils, Clara, c'est pas bête. Et on aurait oublié qu'on avait grandi là. Il nous reste plus que la fenêtre du salon à barricader, mais il va nous manquer une planche, je pense. C'est pas grave, on va ouvrir les lumières. Si vous voyez une planche, vous me le dites. C'est celle-là qu'il faut barricader. Et je pense que là... Ouais, on n'a pas assez, il faut deux planches. Ok, il faut qu'on trouve une deuxième planche. Merci Sanglichon pour le follow sur Twitch, même dans la commu. Ça c'est quoi? C'est là? Ok. Et ça, on peut pas l'ouvrir, ce... Ok. Vous pensez qu'elle est encore là, la dame qui prend son bain? Désolé de vous déranger, madame, mais est-ce que vous auriez vu une planche? On l'aurait loupé à l'étage, à votre avis? Sur le canapé, Sylvain? Je vais regarder. Non. Pas sur le canapé, non. Dehors pour la planche, vous pensez? Moi, je suis pas sûr que ça soit dehors. Hein. Je pense que les planches, c'est à l'intérieur. Dans la cabane, vous pensez? Pourquoi pas la cabane? J'aurais pensé que tout était à l'intérieur. Ouais, j'aurais pensé plus à l'étage ou... Attendez. On va refaire un tour dans la maison. Si c'est pas ça, on sort dehors. Je crois qu'on a pris dans la cabane, non? Il me semble qu'on a tout fait dans la cabane, mais... On va vérifier. Celle-là, on n'y touche pas. Ce coin-là, est-ce qu'il n'y a pas une planche par terre? Non. Ça, c'est la pipe. Un interrupteur pour le placard. Ça, c'est un cintre. Vous vous souvenez du jeu? C'était dans quel jeu où ils mettaient tous leurs cintres dans leur tiroir? Ok, pour moi, le rez-de-chaussée, on a fait. On va aller faire l'étage.
La première, j'ai trouvé dehors, c'est vrai. On fait... Alors attendez, on va regarder le cabanon parce qu'il est à côté. On va faire l'étage et on refera un tour dehors si on a loupé. Ouais, j'ai utilisé la clé. Non, non, on peut pas retirer les planches, on n'a pas encore la hache, les amis. Faut qu'on ait la hache pour pouvoir retirer. J'avais même pas allumé la lumière ici. Dites-moi, la souris, elle tourne pas un peu trop vite? Ça vous fait pas trop mal au cœur? J'ai l'impression que la sensibilité, elle est un peu... Non? C'est moi ou ça bouge trop vite? On va voir si c'est un peu mieux, si c'est un peu plus fluide. Voilà, là ça devrait être mieux, ça devrait moins vous donner envie de vomir. Merci Guns Girl et Moana pour les follow sur Twitch, bienvenue à la commu. En tout cas, il n'y a pas de planche ici, ok? J'essaie de bouger un peu moins vite pour que... On va faire le tour, mais moi je la vois bien, l'étage, la planche. Je sais pas si vous avez vu, en bas à gauche, il y a une petite barre blanche et la barre d'endurance. Donc, si on est amené à courir à un moment donné, va falloir qu'on gère la barre d'endurance. C'est vraiment l'enfer, ce cheval. Pour l'instant, je vois pas... Ah ! C'était quoi ? C'était quoi, ça ? C'était quoi, ce bruit ? On aurait dit un coup dans une porte ou un arbre, c'était quoi? Je sais pas, mais c'est le bruit surtout. Il y a eu un gros bruit. C'est un éclair? Non, 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 non. Il y a eu un bruit de porte. Il y avait une femme? Vous avez vu une femme? Il y avait quelqu'un? Non, sur TikTok, on me dit j'ai vu une femme. Et il y a Bouclette sur Twitch qui me dit j'ai vu quelqu'un. On a entendu, pour moi, c'est comme si quelqu'un tapait sur une planche ou une porte. Il y avait une femme devant moi? C'est vrai, je l'ai pas vue. Ah oh putain, bah heureusement que j'ai pas vu, sinon je crois que j'aurais fait un arrêt cardiaque. Rien que le son déjà. Il y avait quelqu'un en sang. Ah, c'est la... Une dame blanche. Ah non, c'était pas la bonne femme de la salle de bain. Elle est là. Bien vu. Regardez, la planche, elle est derrière. C'était pas la bonne femme de la salle de bain. Merci Titi Roca pour le deuxième mois. C'est le feu follet devant le pseudo. Merci à toi. Il y avait la hache dehors? Comment ça? J'ai pas vu la hache, moi. On retournera voir. Normalement, ils mettent un petit, une petite icône qu'on peut ramasser. On retournera voir après, Gaëtan. Dès qu'on est bloqué, on retournera voir dehors si on peut prendre la hache. Ok, déjà, on peut barricader ça. Trouver un accès au sous-sol. On dirait que ça provient de l'étage. Je devrais aller voir ce qui se passe à l'étage. Le sous-sol, c'est là, mais on n'a pas la hache. Mais ils nous ont demandé d'aller checker l'étage, donc on va voir l'étage. T'es planté dans une souche d'arbre? Vous êtes sûr? Attends, on va aller jeter un coup d'œil avant d'aller au... Parce que peut-être qu'on va être bloqué. Il y avait une souche d'arbre? Sur le sous-sol, c'est sûr, il faut la hache pour y accéder. Déjà, ouais, il y avait bien des enfants qui habitaient ici, même des tout petits enfants, vu les jouets. Putain, mais j'entends des trucs. Bien vu. Bien vu. Donc, pour combiner les objets, ouvrez votre inventaire. Donc, du coup, on peut combiner ça. C'est avec ça. Attendez, c'est quoi la touche C en clavier américain? Putain, attendez, j'arrive pas à combiner.
j'arrive pas à combiner. Attendez, faut que je trouve comment combiner, donc on est dans la merde avant que j'arrive à comprendre. Putain, je peux pas faire clic droit, les amis. Quand j'appuie sur C, ça met un élément en rouge. Mais je peux pas combiner. Coucou tous les nouveaux arrivants. Examiner. Plus c'est le bordel, il est en clavier américain. Les lunettes. Mais je vous jure, j'appuie sur C, regardez. Quand j'appuie sur C, les amis. Ah bah voilà. Combiner. Ah bon bah je sais pas comment j'ai fait. Les amis, je sais pas comment j'ai fait. Mais ça a marché. Je sais pas. Mais on a la hache. Ok, du coup on peut prendre le raccourci en haut et on peut aller au sous-sol. Je propose on va à l'étage comme ils nous ont demandé avant d'aller au sous-sol. Enfin, peut-être que je reste appuyé, mais là je suis pas resté appuyé, ça a marché, donc c'est bizarre. Bizarre, bizarre. Ouais, pas de spoil les amis, s'il vous plaît. C'est vrai, Francky? Tant mieux. Faut rester appuyé sur C. Ok, bah là, je sais pas pourquoi, ça a réussi à marcher, donc tant mieux. On va peut-être en profiter pour enlever les planches qui bloquaient le chemin, non? J'ai vraiment l'impression qu'on va se faire course poursuivre dans la maison. Merci Katsuna pour le follow sur Twitch, même dans la commu. Oh my god, c'est elle qui est apparue? C'est elle qui est apparue dehors quand j'ai sursauté? Il y en a qui m'ont dit que c'était la dame blanche. Je crois pas que les yeux étaient comme ça. Ça y est, c'est elle qui est apparue? Oh non, quel enfer, c'était vraiment la dame blanche? C'était pas pour rigoler? Oh non, j'ai horreur de la dame blanche, les amis, ça me terrorise. Tout ce qui est la nonne, la dame blanche, ça me terrorise. Il y avait un bruit à l'étage. Merci Gansger pour les 100 bits, merci beaucoup. Je vois pas quel truc qui est bougé. Écoutez, ils nous ont demandé d'aller à l'étage. Vous en pensez quoi? On va au sous-sol si on trouve rien à l'étage? Maintenant qu'on a la hache? Ouais, génial, la dame blanche et les araignées, tout ce qu'il faut et des papillons. Merci Flavius pour le follow sur Twitch, bienvenue à la commu. Ah, vous pensez qu'avec la hache, on peut détruire la chaîne? On va essayer. Je pensais qu'il fallait un coup de boulon, mais le fait qu'il y ait une plume, ça craint. Plume noire, encore de ces plumes noires, je me demande d'où elles viennent. Quelque chose ne tourne pas rond. Merci The Zephyr pour le follow, bienvenue à la commu. Oh my god, I've been waiting for you, je t'attendais. Je sais pas ce que c'est le truc, mais il nous attendait. Salut Holy City, salut tous les nouveaux arrivants, salut Pierre, salut tout le monde. Trop content de vous retrouver. Les amis, je pense qu'on va descendre en bas. Hein. À part si ça, on peut le péter. Mais je pense que c'est un coup boulon qu'il faut, non? Non, on peut pas. Ok, il faudra trouver un coup boulon. Pour ceux qui viennent d'arriver, au début du jeu, on est allé vers le sous-sol. Et en fait, il y a une voix de démon qui a gueulé non. Et en fait, là où ça a gueulé non comme une voix de démon, c'est dans le sous-sol et il y a quelqu'un qui a mis des planches pour retenir la chose qu'il y a dans le sous-sol. Ouais, elle était déjà pétée tout à l'heure, le cas de la vitre.
C'est ça, Soy. Du coup, je sais pas ce qui va nous attendre derrière, mais je pense que s'il y a un monstre qui va apparaître, il y a moyen qu'on le libère comme ça. Trouver un accès au sous-sol dans les objectifs, donc c'est ce qu'il faut qu'on fasse. On est bien. Attendez, je recharge les piles de la lampe. C'est le sous-sol ? Ah merde, c'est pas le sous-sol, les amis. C'est quoi, ce bordel ? Ah, il y a le couboulon. Et c'est pas le sous-sol. Ah ! Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas le sous-sol. La mauvaise, c'est qu'il y avait bien quelqu'un dedans. C'est, franchement, c'est pas le premier jeu que ça. C'est horrible. Quand ils font apparaître des jumpscares, quand on prend l'objet, on est en mode, on a pris notre objet, on examine l'objet, donc on s'y attend pas, et ils nous balancent le jumpscare. Merci Gunsger pour les 100 bits. Vous avez flippé aussi ou pas? Parce que déjà les jumpscares qu'on se les attend, ça fait flipper. Mais genre là, c'est pas possible de s'y attendre. Ça fait je sais pas combien d'objets qu'on ramasse dans le jeu, on n'a pas eu de jumpscares qu'on ramasse les objets. C'est quoi cet arrêt? Je pense que l'accès au sous-sol, c'est dehors. Vous en pensez quoi? Je pense qu'on va aller à l'étage vu qu'on a le coup boulon. Mais à mon avis... Je pense que ça sera dehors. Oh mon dieu, attendez, il y a un texte. Et il y a un truc qui a bougé dans... J'ai entendu du bruit dans la chambre. J'ai pas compris ce qui était barré. Pour se déguiser... lui-même comme un ange de la lumière. Ça... Sous-box ? C'est quoi sous-box ? C'est une marque de salade à emporter, non ? C'est quoi ce truc ? Non, c'est Sodebo, c'est quoi ? Il y a des papillons. Les amis, ça parlait de la légende d'un homme papillon. Il y a des papillons partout. Ça rappelle Holo Cocoon. Satan ? Ah putain. Ah, le code, vous avez raison. C'est Satan qui se déguise en ange de la lumière. C'est Satan, les amis. C'est Satan. 23h30, il y a moyen que ça soit le code pour le coffre. Vous avez raison. Ouais, je pense que vous avez raison. On va finir d'examiner la chambre correctement. Merci Loïc pour les 10 bits. Ma femme et mes enfants sont partis en ville pour quelques jours, alors je suis seul à la maison. J'entends des bruits étranges et je vois constamment des choses du coin de mon œil. Je ne peux pas continuer comme ça. Alors, voir des choses du coin de l'œil, perso, j'y crois un peu. Autant je suis très terre à terre. Autant, je vous en ai déjà parlé quand on faisait les soirées paranormales. Je suis terre à terre, mais... Les choses du coin de l'œil... Il y a eu un accident de voiture qui a tué une femme et qui a laissé l'homme dans le coma. Je pense que c'était nous. Merci Loïc pour les 140 bits. Merci Titi Jo pour les 10 bits. Ils nous ont re-entouré 23h30. Le coffre, il était où, les amis? Vous vous souvenez? C'était dans la chambre du gamin? Non, pas la dame blanche. Baba, s'il parlait du fait de voir des choses. Moi, ça m'est déjà arrivé pendant toute une période de ma vie de voir des choses sur le côté. Vous savez, c'est le genre de truc, on n'est pas sûr d'avoir vu quelque chose parce que c'est sur le côté, en fait. Et c'est... Il y avait une pile ? J'ai pas vu de pile, moi. Merci, Jihad, pour les 100 bits. Vous savez que j'ai oublié une pile ? C'est quoi, ça ? Le bouton 2 d'un clavier. Alors, en revanche, on a oublié ça. Je sais pas si on a loupé une pile, mais on a oublié ça. Ouais, une... Je pense que ça... Je crois qu'il y avait un PC, non ? À mon avis, d'avoir un PC quelque part et ça va nous permettre de... le coffre, il était où, vous m'avez dit? Je me souviens plus, c'était la chambre... je crois que c'est la chambre de l'enfant ici, du gamin. Non, c'est la salle de bain, rien à voir. Je crois que c'était dans la chambre de l'enfant. Ah, ou peut-être un téléphone. 23h30. Mais c'est déjà 23h30, les amis. Déverrouillé?
C'est pas 23h30. Ils ont déjà mis le code sur 23h30. Bizarre que ce soit pas ça. C'est pas ça. C'était trop facile. Alors attendez, on a une touche numéro 2. Il y a pas un téléphone ou un truc sur lequel il manque une touche. Oh, merci Guns Girl pour les 300 bits. Merci beaucoup. Ouais, j'y ai pensé, Maevuna, l'inverse, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi ce serait l'inverse? On va essayer, hein, parce que j'y ai pensé aussi. Je me suis dit, c'était l'inverse, mais on lit pas l'heure à l'envers en Angleterre. Enfin, dans certains cas, quand tu dis tout, etc., mais ça me paraît bizarre, là, de dire 30-23. Après, on sait jamais, hein. On a rien à perdre à tester. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, malheureusement. C'est pas 23h30. Trouver un accès au sous-sol. Est-ce qu'on n'irait pas au sous-sol? Coucou Max, coucou tous les nouveaux arrivants. Est-ce que on chercherait pas un accès au sous-sol, les amis? Je sais pas où il est. Merci King pour le follow sur Twitch. Je mets une à la commu. La touche est sûrement en rapport avec 23h30. Vu que c'est la touche 2, c'est-à-dire... Ah, 11h30 pour en anglais. Ah, c'est pas bête. Ouais, ça c'est pas bête par contre. Si c'est au format anglais, effectivement, c'est 11h30. C'est pas ça. Bah, le sous-sol, je l'ai pas vu, donc je me dis qu'il serait bien à l'extérieur, parce que l'objectif, c'est trouver un accès au sous-sol. Donc, je serais bien allé checker quand même dehors, non? La chambre de la fille, il y a son coussin. Je crois que le coussin était gorgé de sang, mais non, c'est des roses. Vu que c'est la touche 2, sûrement pour taper 23h30. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas le rapport, je suis désolé. N'hésite pas à m'expliquer, Kings, je vois pas le rapport entre la touche 2 et 23h30. Ah non, mais le 2, il y est. Le 2, il y est, mais le cadenas, il était différent. Ah, c'est peut-être que le code 23h30, ça sera pas sur le cadenas, mais autre chose, ça nous permettra de taper. Je vois ce que tu veux dire, Kings. Ouais. La porte verrouillée au rez-de-chaussée? Ah ouais, m'a dit. Celle-là? Merci Mini Pouce pour le pral pour 4e mois, merci beaucoup. C'est le sous-sol celle-là, vous pensez? Je peux pas y accéder. Ouais, mais faut qu'on trouve ou taper le code du coup. Je pense qu'il y a une clé. À mon avis, c'est une clé pour le sous-sol, je pense, hein. Merci Fifi pour le follow sur Twitch, bienvenue à la commu. Ça doit être ça. Après, on est sous les escaliers, c'est pas déconnant, souvent les sous-sols, c'est en dessous des escaliers, donc... Ouais, il y a l'horloge en l'entrée. Ah putain, on peut interagir! Faut trouver un truc, genre un tournevis pour ouvrir, je pense, les amis. Pour ouvrir l'horloge. Salut Merwin, coucou tous les arrivants. L'horloge, c'est pas bête, mais on peut pas encore l'ouvrir, malheureusement. Le vieux téléphone, bon, on sait comment ça marche, hein. On aurait loupé un truc à l'étage. Je pense qu'on n'a pas loupé un truc à l'étage, quand même. Cette touche 2, je la trouve bizarre. Il y a un tournevis dans la petite maison, d'ailleurs. Putain, la petite maison, on a tout fait, les amis. C'est vrai? Kylian, toi aussi, tu... Vous êtes plusieurs à me dire que c'est dans le petit cabanon tournevis. On va retourner voir. Attendez, on va fouiller le petit cabanon. On a l'horloge qu'on peut ouvrir. On a une touche numéro 2. On a un cadenas avec un code à 4 chiffres. Et on a 23h30. Ouais, la calculatrice, j'ai essayé, ça marche pas. Et malheureusement, 23h30, c'est pas le code du cadenas, a priori. J'entends des bruits étranges provenant des murs. On n'est pas sauf dans cette maison. Il faut qu'on parte ailleurs, mais je crains que cette chose nous suivra partout. Je suis complètement perdu. Je ne peux que prier, peut-être que Dieu nous sauvera. Oh, ils se sont fait posséder par, à mon avis, un esprit de local de la forêt où ils sont. Hein.
La légende du... Je sais plus comment il s'appelle, l'homme papillon. Je vois pas le tournevis. Je crois qu'on a rien ramassé, là. Je suis d'accord qu'il y a des trucs, mais malheureusement... Je peux rien ramasser. Ça écrit la touche hein, qu'on peut ramasser, y a, ça change un peu. Je pense que dans le cabanon, on va tout faire, hein, les amis. Hein. Je pense que le cabanon, c'est bon. La baignoire, je sais pas, je me dis peut-être le tableau. Motman, c'est ça, Adair, Motman. Un esprit frappeur, clean. Point d'exclamation game, les amis, pour le nom du jeu, que ce soit sur Twitch ou TikTok, vous l'avez. Bah, je pense que la petite aiguille, elle y est, mais Ah, c'est peut-être la petite aiguille que ça nous propose de mettre dans l'inventaire. T'as raison, Polo, je pense que t'as raison. Alors, attendez, on va aller voir celle qui prend son bain. Je pense qu'il y a rien, mais on va aller voir. Et on va vérifier où c'est qu'on pourrait foutre cette touche numéro 2 et 23-30, où c'est qu'on l'utilise, quoi. Là, on peut pas. Je peux ouvrir ça? Putain, t'as un placard que j'ai mal ouvert, hein. Là, c'est là où ça a jumpscare tout à l'heure. Et vous avez vu, la lumière, elle est pétée ici, en plus. Ouais, sûrement, Elise. On a plusieurs indices. On sait pas encore comment tout s'entremêle, mais... C'est pour ça que je l'ai répété. On a 23h30, ce code. On a la touche. On a l'horloge où il manque une aiguille. Donc il suffit qu'on trouve le bon truc et après ça va enchaîner. C'est comme dans, comme dans Visage, c'est un peu pareil. On peut passer du temps à trouver le bon objet alors qu'on a déjà plein d'objets pour la suite. Et ensuite il y a tout qui s'enchaîne. Donc là soit faut qu'on trouve la petite aiguille, soit une clé. Soit on mette la touche numéro 2. Ouais, j'ai vu les autres horloges, vous inquiétez pas, je regarde. Vous en faites pas. Vous voyez peut-être pas, mais quand je passe le petit point blanc sur un objet, c'est que je vérifie en fait. Salut Hazarda, coucou tous les arrivants. Là on avait tout ouvert, on a vraiment tout checké. Il y a du sucre. Je pense pas qu'il y ait grand chose dans la cuisine. Les cassettes, on pouvait pas les utiliser. Et ah! Attendez, on peut peut-être avec le coup boulon là? C'est bon. Ça on peut passer les amis. C'est une partie qu'on n'avait pas vue. Parfait. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas encore recouvert. 1-5. 1h05. Bon, à retenir, ce sera peut-être 0105 le code, j'en sais rien. Oh, oh. Il n'y aurait pas une touche numéro 2 qui manque? Non, dommage, j'ai cru. On va fouiller tout le placard. Clé coffret en bois. Le coffret en bois à l'étage. Ok. Donc on va aller à l'étage. On finit de fouiller correctement quand même, il y a peut-être autre chose à ramasser. C'est pas ça. Je vais ouvrir la lumière au cas où. Vous avez vu l'horloge, 23h30. Vous avez vu? Non, il y a un stylo, mais il n'y a rien d'autre. Je pense qu'il faut qu'on aille à l'étage, c'est assez clair là. On a la clé. On va aller voir ce qu'il y a dans le petit coffre. Parce que dans le petit coffre, il va sûrement avoir soit l'aiguille. Est-ce que tu as oublié Robert? Il n'y avait pas une lettre qui parlait de Robert au début? Vous pensez que c'est nous, Robert? Il y avait quelqu'un. Pardon. Il y avait quelqu'un, je sais pas si vous avez vu, il y a l'ombre qui a bougé.
Soit il y a quelqu'un qui a déplacé la chaise, soit il y avait quelqu'un. Mais il y a un truc avec Robert, je me demande si c'est pas nous, Robert. Salut Nicro, ça va, t'as passé des bonnes fêtes? Merci pour les 20 bits. C'est le fils, Robert? Et lui, c'est le père, à votre avis? Oh, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit! À chaque fois, ça manque pas, les amis. À chaque fois, merci les amis pour les souhaits. À chaque fois, les amis, Kain Croix. Ça manque pas. Dans tout, j'ai pas vu un seul jeu d'horreur. On n'aura pas une croix qui se retourne à un moment donné quand il y a une croix. En plus, ça a bougé au moment où on revient de cette salle de l'enfer là, qui est toute noire. On va aller voir si la dame dans le bain, elle est encore là. On a un problème. On a un problème. La madame, la madame qui était dans le bain sans, elle est disparue, elle est revenue à la vie. Comment on fait? Donc nous, on serait le père et ça, ce serait la femme qui serait morte dans un accident de voiture, c'est ça? J'ai cru, Loïc. Merci, Titi. Bon, on va monter à l'étage. Je me rappelle plus où est le petit boîtier, mais on a une clé pour ouvrir un petit boîtier à l'étage. On entend vachement l'horloge ici, non ? Ouais, mais on peut pas l'ouvrir. Ok, on peut pas l'ouvrir celle-là. Je voulais voir si on pouvait pas... Vu qu'elle faisait beaucoup de bruit, je me suis dit c'était peut-être un indice pour aller l'ouvrir et récupérer l'aiguille. Je sais pas où était le petit coffre, dans l'une des chambres. C'est dans un meuble au coin. C'est vrai? C'était dans cette chambre? Non, c'était dans un meuble. Dans le couloir, c'était? J'ai aucun souvenir d'avoir croisé une petite boîte. Là, il y a l'épée de Godefroy de Montmirail. La salle de bain, je crois pas que c'était là. Je pense que ce serait l'une des chambres. Ouais, on verra les ennemis, on fait une chose à la fois parce que la cuisine, là je suis un peu à l'étage pour faire le prochain objectif. N'inquiétez pas. En bas? Mais ils ont dit que c'était à l'étage les amis. Ils ont dit que c'était à l'étage la petite boîte. N'inquiétez pas, on retournera si on a manqué quelque chose. De toute façon, si on a manqué quelque chose, on sera bloqué, donc vous inquiétez pas. Mais là ils ont dit qu'il y avait une petite boîte à l'étage à ouvrir avec la clé. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment que quand on a un objet, on y aille tout de suite parce que sinon, on va pas s'en sortir. C'est le plus simple pour dérouler, je pense. Dans la chambre, sur la table de nuit? À l'intérieur, alors? Dans la grande chambre? Il y a la chambre de la fille aussi. Bon, il n'y a rien ici. On va faire les autres chambres. Celle-là, on peut pas l'ouvrir. Je me perds dans la baraque. Elle est encore là, la dame blanche avec les yeux rouges. Mais attendez. Attendez, attendez. La dame blanche, ah si, elle est là. Non, là, c'est la salle de bain. Je suis complètement perdu. Coucou les arrivants. Démonologiste, ouais, j'en fais de temps en temps, Stacy. Après, moi, je fais plus ce jeu solo. Et quand je fais des démonologies, j'en fais en solo. Comme ça, je le fais avec vous, on fait l'enquête ensemble. Non, on l'a fait, celle-là. J'arrive pas à retrouver où était la chambre de la fille, les amis.
Ça, on peut pas ouvrir. Celle-là, on peut pas aussi. Ah si, c'est bon. Alors attendez, la chambre de la fille peut-être, non? Et après, on testera la grande chambre. Enfin, on repartira dans la grande chambre, voir si j'ai pas loupé un truc. Après, peut-être c'est dans la cuisine, ils se sont trompés dans la traduction, mais ils avaient dit à l'étage. Alors vu que, comment dire, le first floor, c'est le rez-de-chaussée en anglais, peut-être qu'ils se sont plantés dans la traduction, vous voyez ce que je veux dire? Une autre nuit blanche, des bruits griffants contre ma vitre m'ont réveillé, quel enfer. Je ne pouvais rien voir dehors, mais j'ai senti que l'on m'observait. Ma fille dit qu'elle a vu un énorme papillon de nuit depuis sa fenêtre. Les amis, je suis le seul à avoir peur des papillons de nuit. Enfin, c'est pas que j'ai peur. En fait, les araignées, j'ai peur, c'est une phobie. Les papillons de nuit, c'est pas que j'en ai peur, c'est que je trouve ça dégueulasse. En fait, quand ma nièce, une fois, elle a pris un papillon de nuit dans la main, elle me l'a balancé à la tête, j'ai hurlé. Je trouve ça dégueulasse, en fait, la texture des papillons de nuit dessus, l'espèce de gras, je trouve ça horrible. C'est pas comme l'araignée où vraiment ça me fait peur, c'est juste, c'est dégueulasse, quoi. J'ai cru que c'était son imagination, mais maintenant, je n'en suis plus certaine. On va avoir une personne papillon de nuit, hein. C'est sûr. Vous aussi ? En même temps, Cocotte, je me moque pas de toi pour la phobie des papillons, parce que, franchement, ceux qui ont pas peur des papillons, les amis, toi aussi, Inès, zoomez sur la tête d'un papillon et revenez me dire que c'est pas dégueulasse et qu'on dirait pas que ça va te bouffer la moitié de la chair ou j'en sais rien. Avec leur trompe là. Ou leurs antennes, je sais plus ce qu'ils ont, mais bon, c'est dégueulasse. C'est chou ? Ouais, c'est ça, ouais. Un papillon, si t'enlèves les ailes, c'est un truc horrible. Hein. Alors, effectivement, je pense que vous pensiez à ça, mais c'est pas ça, la petite boîte. Merci, Gemini, pour follow sur Twitch. Bienvenue dans la commu. Je vais peut-être checker la cuisine. Peut-être qu'ils ont mal traduit et que vous avez raison. Vous étiez plusieurs à me dire la cuisine. Parce que first floor, en anglais, c'est le rez-de-chaussée. Et si quelqu'un a fait la trad en français, first floor, il a pu le traduire à premier étage. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que c'est rez-de-chaussée. Ouais, on a vu le cadenas, les amis, mais on n'a pas le code. À la cuisine, vous m'aviez dit, les amis, qu'il y avait un truc. Je pense qu'on va checker la cuisine. Vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé, ça... Si t'enlèves les ailes d'un papillon, c'est bizarre. Bah oui, mais bon. Vous m'avez dit, dans un angle. Il y a un meuble dans un angle de la cuisine. Salut Funny Drawing, coucou tout le monde. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. Oh mon dieu, c'est vrai, Nina? Bah si t'es sur Discord, je veux bien que tu le postes, comme ça je regarderai. Enlever les pattes d'araignée, ça va pas la tête. Logiquement, c'est à l'étage, hein, mais bon. C'était ici que vous m'aviez dit? Il y avait un meuble en hauteur. Ah mais on l'a fait, les amis. On l'a fait ça tout à l'heure, au début du jeu. C'est ça? On l'a fait, ça, vous inquiétez pas, il y a des trucs que j'ai refermés après, mais on a tout fouillé. Le Mothman, c'est une vraie légende aux États-Unis, il y a des gens qui ont eu des photos, c'est flippant. Oh mon dieu, envoyez les photos sur Discord, ceux qui sont sur Discord. Et les amis TikTok, ceux qui veulent rejoindre le Discord, alors je peux pas vous mettre de lien sur TikTok, mais sur YouTube et Twitch, vous avez les liens vers Discord. Peut-être qu'on doit revenir là. On vient d'ici, les amis. On a eu la petite clé ici, ça nous a dit qu'il fallait le prendre à l'étage. On va retourner à l'étage, hein. Ça nous disait l'étage. On va faire confiance au jeu. On va aller retourner à l'étage. Avec la super croix inversée, là. Est-ce que là, il n'y a pas un truc? Discord, c'est un logiciel de chat et il y a toute la commune est dessus, c'est-à-dire que même en dehors des lives, on peut continuer à discuter, partager des suggestions de films d'horreur ou de jeux. Se dire bonjour le matin. Il y a un canal boîte ID pour les suggestions de jeux. On va aller à l'étage. Bah la dame, je sais pas, on l'a pas revue. Je sais pas si c'est elle... Je sais pas si c'est elle qu'on a mis dans le placard, il y avait quelqu'un qui était à l'envers. Moi j'ai bien envie de faire confiance au jeu qui nous disait que c'était en haut, hein, qu'il y avait une petite boîte à l'étage. Regardez, je crois qu'on... Attendez, si je mets ça...
Cette clé sert à déverrouiller le coffret en bois à l'étage. Coffret en bois. Vous me dites si vous voyez un coffret en bois que j'ai pas vu. Peut-être dans les étagères comme ça. Cette table, je la trouve bizarre depuis tout à l'heure, mais... Ou alors, faut trouver le code, les amis. C'était 1h05. Peut-être que c'est 015. Il y a le 0. On avait 1h05 tout à l'heure. C'est pas ça. Peut-être que c'est à l'intérieur et qu'il faut déverrouiller. Hein. Il y avait un 93 dans la chambre du garçon, c'est vrai, Anaïs. Merci, Nikir, pour le follow sur Twitch. Bienvenue dans la commu. Le Discord le plus simple sur la chaîne YouTube, parce que chez Twitch, vous n'avez pas beaucoup. YouTube, c'est CanoroBTG. Et normalement, dans la partie bio, vous avez le lien vers le Discord. Je vais essayer de trouver un moyen de vous le mettre sur TikTok. Je sais pas comment faire. 23h30, on a testé, c'est pas ça, Dounette, malheureusement. En pensée, mais non. C'est pas 23h30, c'est autre chose. Ça, on l'a vu, je crois. 93, c'est pour le... Un superbe livre. Un coffret en bois. Putain, je trouve pas de coffret en bois. Hein. Accroché sur un mur. Moi, j'ai peur que ça soit derrière cette porte et qu'on n'ait pas trouvé le code. Je me demande s'il faut pas trouver le code et c'est derrière. Merci Tekken pour le follow sur Twitch. Bienvenue dans la commu. On va essayer de voir s'il n'y a pas des trucs qui peuvent nous indiquer un code. Je trouve ça bizarre que 23h30 soit pas le code, mais c'est malheureusement pas ça. Il y en avait un sur la table de chevet. Ouais, mais on pouvait pas l'ouvrir, Sandra. Comme je vous ai montré, on pouvait pas interagir. 2023, pourquoi 2023, les amis? Pourquoi 2023? Pour savoir. Je demanderai un indice, hein, si vous avez la solution, mais balancez pas la... Alors, si c'est la solution, ne balancez pas la solution dans le chat comme ça, les amis. Parce qu'il y avait un E sur le réveil. J'ai rien compris. Je vois pas le rapport entre 2023... L'année 2023? Pour la date de l'accident? L'année de l'accident? Ok. Pour l'année de l'accident? On a essayé 11h30, t'as fait pas chier, c'est pas ça malheureusement. L'année de l'accident, c'est pas bête. On a essayé d'inverser, c'est pas ça aussi non plus. Par contre, apparemment, l'accident, c'était marqué en 2023? Je me rappelle plus que c'était marqué dans les documents. J'ai pas fait gaffe. Non, dommage, c'est pas ça, c'est bien tenté. C'était pas bête. 1593, pourquoi? N'hésitez pas à me dire, les amis, je saisis pas les codes sans savoir pourquoi. Dans, ici, le but, je vous explique, il hein, y a pas de souci. Hein. Pour deux trucs déjà, pour éviter les spoils, comme ça, si quelqu'un a la soluce, bah, je le prends pas. Et de deux, je veux avoir la logique derrière, parce que le but, c'est de vous faire participer, qu'on essaye de trouver la logique ensemble. Non, pas de souci, là, fais pas chier, t'inquiète. Après, si je bloque et qu'il y en a qui connaissent, je demande des indices, vous inquiétez pas, mais je prends jamais un code comme ça et je le tape sans réfléchir, c'est rare. C'est pas le but. Sinon, je le fais moi-même de mon côté, le jeu avec la soluce sous le nez. Ah, complètement à l'inverse? Ah, c'est pas bête, The Queen, vu que la croix s'est inversée. 23h30, mais complètement à l'inverse. Merci Harley pour le 5e mois, merci beaucoup, il y en a beaucoup 5 mois, vous allez... Il va y avoir une vague de petits fantômes vampires dans le chat, bientôt. Alors, 23h30 à l'envers, ça fait 03h32. C'est pas bête. Je pense pas. Mais... Ça se tente, c'est pas ça. Sur les tableaux avec des écritures? Ouais, on les a fait les chiffres, les amis. 06-10, le jour et le mois de l'accident. C'était le 06-10, Michael, l'accident? Je pense pas que c'est lié à 23h30, les amis. En général, c'est assez... Comment dire? Souvenez-vous, dans les jeux, les mots de passe n'ont jamais été tordus. Ça a toujours été super simple. On cherche toujours trop loin. Je pense pas que c'est 23h30 dans tous les sens possibles. Je pense que c'est un... Pourquoi 2033? Les amis, je saisis pas les codes. Encore une fois, comme je vous ai expliqué, je ne saisis pas les codes sans comprendre pourquoi. Faut que vous m'expliquiez la logique derrière. Parce que vous pouvez très bien prendre la solution internet et me balancer le chiffre. Et ce serait pas cool pour ceux qui essayent de rechercher, en fait, de jouer le jeu.
Après, je vous demanderai un indice. Je pense qu'il y en a qui connaissent le jeu. Je vous demanderai un indice si vraiment on bloque. On va encore chercher un tout petit peu. Ouais, pour le skate. Ouais, mais 93, je pense que ça a rien à voir. C'est le skate. En plus, je vois pas avec quoi il faudrait l'associer. Non, les amis, je pense pas. À chaque fois, souvenez-vous qu'on a fait le jeu la dernière fois. On avait une date, vous avez fixé sur la date, vous m'avez sorti tous les trucs possibles, imaginables avec la date. Cherchez pas, c'est plus simple que ça. Vraiment, je vous assure, je suis sûr et certain, c'est beaucoup plus simple que ça. Il y a forcément un indice, un chiffre écrit. Je pense pas que ce soit le skate. Mais faut qu'on... Je pense qu'il faut qu'on débloque l'heure qu'on a vue et qu'on trouve d'autres indices. Merci Goulven pour follow sur Twitch, bienvenue dans la commu. Ouais, on va essayer d'inverser. Vous êtes plusieurs, on va dire ça. Donc c'était 0106 à l'inverse, c'est ça? Pour l'accident? C'était quoi l'accident déjà, la date, les amis? Je me rappelle plus. 0610, donc on ferait 10-06. On a fait 0610 et 10-06, on a fait les deux, les amis. Non, non, mais c'est pas ça. Salut, Goulven. Ouais, point d'exclamation game pour le nom du jeu. C'est pas ça. Après, si ça se trouve, on a le coffret à... Attendez. Je ne peux pas échapper à l'idée qu'elle m'observe constamment. Même quand je suis seul, je sens qu'elle est derrière moi, sur mon dos. Je sens que sa présence m'étouffe. Je crois que je perds la raison. Je crois que c'est après l'accident quand il a perdu sa femme. 0105 pour le verset de la Bible. Oh, vous allez chercher loin. C'était dans le livre. Non, c'est pas ça. Non, mais je suis sûr que c'est simple, les amis. Attendez, faut qu'on fouille, faut qu'on regarde. Faut qu'on arrête de bloquer. Faut qu'on observe, je pense. C'est ce qui nous manque. Vous voyez pourquoi? Je pense qu'il faut pas qu'on reste bloqué sur un truc à tort dans tous les sens. Ok, ça déverrouille la deuxième porte du couloir. Parfait. On croit que c'est compliqué, mais c'est jamais compliqué. En fait, c'est juste qu'on n'observe pas, mais c'est rarement compliqué les énigmes. Du genre, c'est pas des divisions par la racine carrée de je sais pas quoi. Santé, King. Par contre, malheureusement, je crois que c'est juste un raccourci. C'est un autre escalier. Ah, putain, c'est une partie de la maison à laquelle on n'avait pas accès. On va se débloquer pas mal de trucs d'un coup, là, je pense. Par contre, il y a eu un bruit bizarre. Oh, c'était ce bruit-là qui grognait. Les amis, c'était le même bruit qui grognait au début du jeu qui voulait nous empêcher d'entrer dans le placard à balai. Après, c'est le but, hein. C'est cool d'avoir cherché avec moi, les amis. Mais quand je vois qu'on galère trop, c'est qu'en général, c'est qu'on n'a pas l'indice. Plutôt content que vous essayez de trouver la solution avec moi. Même le petit coffret, regardez, c'est là. Vous voyez comme tout se débloque après. Au cas où j'oublierai, la combinaison du coffre est mon anniversaire. Quand je vous dis que c'est simple. C'est super simple, là il suffit de trouver la date d'anniversaire, 1956. Quand je vous dis qu'il faut arrêter de se prendre la tête à faire tous les formats possibles de date et tout. 1956, au top. Ok. Je propose, on finit de fouiller l'étage, ça marche? Avant d'aller au coffre. Il y a une autre grande chambre. Oh, il fait tellement peur. Mais à chaque fois, on se prend la tête de ouf. C'est pour ça, la relou, je dis, attendez, on va arrêter de se prendre la tête, c'est pas possible.
bruit chelou. J'ai tenté de partager mes expériences avec les voisins, mais ils m'ont tous regardé comme si j'étais cinglé. J'ai l'impression d'être le seul qui peut voir tout cela. Je tremble rien que d'y penser. La baraque, elle est super grande. Ça fait un moment qu'on n'a pas... Cet endroit est dans un désordre. On dirait que les propriétaires se sont enfuis dans l'urgence. Je me demande pourquoi. Bah, en même temps, s'ils voyaient un papillon... un homme papillon de nuit géant... Vous vous souvenez, au début des jeux, je vous ai dit, c'est bizarre, dans le grille-pain, il y avait encore les pains dans le grille-pain. Je disais, c'est bizarre, ça fait comme si quelqu'un était parti super vite. Donc ça confirme notre théorie. Je ne peux pas être tué. J'ai essayé. Je me disais bien, j'ai entendu la porte. J'étais quasiment sûr d'avoir entendu la porte se refermer derrière moi. J'ai essayé. Je ne peux pas être tué. Vous pensez qu'il a essayé de se donner la mort après avoir tué sa femme après l'accident ? Il y avait les bruits de pas, je les ai pas entendus les bruits de pas. Je pense qu'il y a eu l'accident avec sa femme, il a essayé de se donner la mort, et il n'y arrive pas. Sur Discord, les amis, n'oubliez pas d'accepter le règlement, vous êtes un paquet à pas faire attention. Si vous double-cliquez par exemple sur le bouton du règlement, ça vous le désaccepte. N'oubliez pas d'accepter sur le bouton, pour pouvoir écrire et voir tous les canaux de discussion. C'est moi qui suis possédé, vous pensez ? Il y a quelqu'un dehors ? Non, moi aussi je croyais, on dirait hein. On dirait tout à l'heure, je me suis fait avoir. Salut Ciliel. Mais en fait, c'est une sorte de petite gargouille, en fait. Ah oui, ça, pardon. Je croyais que c'était... Aïe, ça ne peut pas être tué, j'ai essayé. Vous avez raison, autant pour moi. Il y avait des clés dans le lavabo ? Non, mais il y a des seringues de partout. Il y a plein de seringues, par contre. On a le code, vous l'avez retenu le code, hein. Je compte sur vous. Je vais continuer d'explorer cet étage, et après on va aller déverrouiller la porte. Non, je peux pas prendre le couteau. Vous voyez mon curseur qui bouge si jamais je peux prendre quelque chose. Il n'y a pas de lumière ici. Des vieilles jumelles, on peut rien en faire. Oh mon dieu, j'espère que la musique, elle va pas se mettre en route. Il y avait un tourne-disque. Ah bon ? Comment ça, Magie Lissou ? Il y a un truc à faire avec le tableau arbre ? Comment ça ? Pourquoi tu me dis ça, Magie Lissou ? J'ai pas compris. Vous avez vu un tableau arbre ? Ça sort d'où, ça, Magie Lissou ? Pourquoi tu me parles d'un tableau arbre ? Pour essayer de comprendre, hein. Je me méfie des spoils, les amis, c'est pour ça que j'aime bien comprendre. Merci, Meggy, Valou Ragnar, et bref, pour follow sur Twitch, même la commu. Mais où c'est que t'as vu un tableau arbre? Je comprends pas. D'où ça sort? Vous avez vu un tableau arbre? Dans le couloir? Là, dans le couloir qu'on a fait? Ah, ici? Non, on peut pas, les amis, c'est de la déco. Ok, je viens de comprendre, Magie. En fait, j'avais pas vu. Je demandais de. Pour moi, je pensais vraiment à un tableau dessiné avec un arbre. Non, non, oui, ça ressemble à un rébus, mais c'est pas ça. Ok, alors attendez, on n'a pas vu le. Dans quelle section que ça. Ah putain, ça m'a fait peur, ça m'a surpris. Ok, on va avoir accès à la partie qui était bloquée. Donc on retourne à l'étage et on a le code maintenant. Il y a un livre qui a traversé la salle. Ça c'est du poltergeist. Hein. On l'a vu dans des monologistes. Hein. Dans Phasmo c'est pareil, poltergeist ça. 1956 le code. Merci beaucoup pour le rappel. Cathy et Prissou.
c'était pas là. Vous avez vu que j'ai passé, j'ai fait attendez, je me suis retourné, j'ai vu un truc. En fait, j'ai vu juste un fil, je fais attendez, je rêve ou pas? J'ai pas rêvé. Il y a un fil d'araignée. Elle y était cette toile? Ça vient d'apparaître, j'avais pas vu la toile d'araignée. Ouais, la dame blanche, on l'a vue. En plus, elle a apparu dehors apparemment, je l'ai pas vu moi la dame blanche quand elle a apparu. Et les papillons de nuit se font bouffer par quoi? Par les toiles d'araignée. Le tableau s'est déplacé? Ah, le tableau, il est tombé! Il était accroché, le tableau? Il était par terre? J'ai un doute, je crois pas qu'il était par terre, le tableau. Vous avez peut-être raison. $19.56, vous m'avez dit, hein. Parfait, c'est ça. Oh mon dieu, je viens de voir un truc. C'est quoi ça? C'est quoi cette horreur? Oh mon dieu. J'ai pas envie de tirer, les amis. Attendez, je vais regarder le reste. Je le sens pas, là, ce visage de l'enfer, là. On dirait un visage de bébé de l'enfer. La clé du sous-sol. Putain, on a la clé du sous-sol, ça y est. Ok, c'est bon, on a la clé du sous-sol. Bon, ceci dit, il nous manque quand même l'aiguille pour l'horloge. Oh, le lecteur cassette. Hier soir, tard dans la nuit, j'ai trouvé mon fils appuyé contre la fenêtre. Il parlait à quelqu'un ou quelque chose. Quand je lui ai demandé à qui il parlait, il m'a dit qu'il a oublié. Mais tout ce qu'il savait, c'est qu'il voulait sortir dans le jardin. Ma femme dit qu'elle a également vu cette chose dehors à l'entrée, l'observant depuis la fenêtre, l'invitant à sortir de la maison. Je commence à croire que cette chose volerait ma fumée. Va attirer ma famille à l'extérieur. Je ne sais pas comment les protéger. Je vais commencer à tout documenter dans mon journal, au cas où quelque chose m'arrive. Je pense que c'est le Motsman, l'homme papillon, là. Ça a commencé avec d'étranges bruits durant la nuit, comme si quelque chose grattait contre les vitres. Je pensais que c'était juste mon imagination, puis je l'ai vu. Elle m'observait depuis les arbres, comme si elle attendait quelque chose. J'ai fait des recherches, et j'en conclus que ce n'est pas la première fois que cette chose est apparue. On raconte que c'est un prophète du jugement, et que sa présence signale un mauvais présage. C'est le cas depuis des siècles, le terme Mothman apparaît constamment. Je crois que je commence à perdre la tête. Je continue de faire des cauchemars à propos de cette créature aux yeux rouges et aux ailes géantes. Je n'arrive plus à dormir. Chaque fois que je ferme les yeux, je la vois. Je ne peux pas échapper à son regard. Je sens qu'elle tente de consommer mon corps et mon âme. Eh ben, c'est génial. Rendez-vous au sous-sol, hein. Rendez-vous au sous-sol, c'est le truc qui nous reste à faire. Les yeux rouges de la fenêtre au début. Moi, je les ai pas vus, ces yeux rouges, mais vous êtes nombreux à m'avoir dit que... Ah, la chaîne. Je voulais tellement pas le faire. Vous savez quoi, que inconsciemment, je fais pas exprès. Je voulais tellement pas tirer sur ce truc d'enfer, là. De l'enfer, que je suis parti en mode tranquille, quoi. Je le sens pas, les amis. Attendez, je vais boire un coup parce que je le sens pas. Je sais pas pourquoi. Ou alors, ça décroche l'aiguille de l'horloge, là. Hein? Je peux rien faire. Il faut une montre de poche. En fait, je pense qu'il faut une montre de poche à mettre dessus. Ok. Donc on l'a pas trouvée, elle est peut-être au sous-sol. Donc il faudra se souvenir qu'elle est là. Dragon Ball, mon mug, ouais, tout à fait. Le sous-sol, il était là. C'est ça, les amis. Elle est bloquée depuis le début du jeu, cette porte. La musique vient de s'arrêter.
C'est bon, on n'est pas fermé. Oh la fourche. S'il y a quelqu'un qui nous court après avec. Il y a un tableau renversé, c'est quoi? Vous pensez que c'est lui? Oh, vous pensez qu'il a dessiné Mothman? Non. J'aurais bien vu faire un... Vu que ça hante son esprit, je vois bien le dessiner. Ok, ça on va pouvoir péter. Regardez, il y a les plumes en plus. Putain, ça fait comme au début du jeu. Je crois pas qu'il y avait de coffre. Ça sert à rien de spammer, les amis. Le coffre, on verra. Si on est bloqué, on verra. Regardez, je vous ravive. L'objectif, c'est aller au sous-sol. Vous inquiétez pas, si on loupe un objet, on aura tout le temps de voir quand je suis bloqué. Là, on n'est pas bloqué. Oh mon dieu, ça faisait pas un bruit de papillon. Je sais pas, mais ça, c'était un bruit de papillon. Pour moi, si un papillon humain devait faire un bruit, il ferait ça. J'y suis presque. Non, je l'ai perdu, je l'avais. J'arrive plus. En vrai? Non mais en vrai, non mais attendez, vous rigolez, ça va les kings, rigolez, mais en vrai, je l'imite pas trop bien. Putain, j'arrive plus. Pendant que je l'imite, il a fait apparaître ça par contre, donc... je vais moins rigoler. On est d'accord que ça y était pas, ça vient d'apparaître cette saloperie. Papillon qui se prend pour un corbeau. Mais vous rigolez, il y a des plumes de corbeau en plus, donc je sais pas quel est le lien entre les deux. Oh non, je vous demande pas, j'allais demander, on fait quoi? Ne pas ouvrir. Je sais très bien, là c'est 23h30, je pense que le code de 23h30 il est là les amis, regardez, il manque la touche du 2. C'est ce que disait King tout à l'heure. Cherchez pas, c'est 23h30 le code, bah ouvre, bah voyons, vas-y, c'est toi qui as la souris entre les mains. Clé du portail, ok, le petit portail du jardin. Oh my god, qu'est-ce qui se passe? Salut Linda, moi aussi vous m'avez beaucoup manqué les amis. Ça aussi ça vient d'apparaître. Tu as besoin de te réveiller Robert. Ou alors peut-être que, les amis, souvenez-vous dans l'accident. Dans l'accident, la femme elle est décédée et l'homme il est dans le coma. Vous pensez pas qu'on est dans le coma? Vous pensez pas qu'on est dans le coma? Tu as besoin de te réveiller Robert. Moi je pense qu'on est dans le subconscient de Robert, je pense. Ça ferait du sens avec « tu as besoin de te réveiller ». Et le fait qu'au début du jeu, ça disait « mais c'est pas réel ». Si, c'est réel. Oui, vu que ça jouait sur le fait « c'est pas réel, mais si, c'est réel ». C'est ça. J'ai pas envie de l'ouvrir. Après, on a une clé, hein. On peut aller dehors aussi, hein. Il y a la clé pour le petit portail du jardin. Vous préférez quoi? Vous voulez qu'on aille dans le petit jardin planquer des carottes en mode tranquille, ou vous voulez qu'on ouvre la porte où c'est marqué on sent surtout ne pas ouvrir? J'ai ma petite idée. Je pense que vous n'allez pas choisir les carottes. On ouvre? Bah voyons. Oui. Vas-y, Kendro, ouvre. Après, vous allez me dire que c'est de ma faute si vous sursautez. Oh mon dieu, c'est le sous-sol du sous-sol, c'est possible ça? C'est-à-dire qu'on est dans le sous-sol, on est déjà sous la maison, et ils ont rajouté encore un sous-sol. Et? On dirait
partie studio annexe. What the hell is happening? Il y a un bras qui vient de sortir du miroir. L'heure à laquelle elle nous a quittés appartient à son retour. Elle va m'attraper le bras si j'y vais. Je sais plus, 23h30, bah je crois 23h30 c'était hein. Oh my god. J'ai pas envie. Bonjour madame, enchanté, je vous serre la main. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est sa main la plus forte pour ceux qui ont la référence de Scary Movie. Je peux rien faire avec la main, les amis. Un petit massage par la main, non. Il est quelle heure? Bah je sais pas si on a l'heure, je crois pas. Hein. Il y a forcément un truc à faire ici. Hein. Attendez, si je remonte, il se passe quoi? Je peux pas lui faire un check, je peux rien faire avec. Je pense que là, il parle de l'heure. Je pense qu'il faut aller prendre... Maquille lui la main. Je pense qu'il faut trouver la petite aiguille pour l'horloge, à mon avis, vu que ça parle d'heure. Un bisou sur la main, mais vous êtes con, une manucure. Je peux rien ramasser à part sa main pourrie là qui veut me toucher la tête ou je sais pas quoi. Attendez, il y a forcément un truc quelque part. Je peux rien faire avec la main, je peux pas voler de la monnaie dans son sac à main. Je vois pas ce que je peux faire avec. Je vois pas ce que je peux faire. Je pense qu'il nous manque un objet. Je pense qu'il faut qu'on aille dans le jardin, les amis. Salut les arrivants, salut Nola, salut tout le monde. Je pense qu'il faut qu'on aille dans le jardin. À mon avis, il nous faut un objet à poser ou... Bah là, il n'y a pas d'objectif en ce moment. Ils m'ont pas mis d'objectif, là. Malheureusement, j'ai pas d'objectif. Mais là, je peux rien faire, hein. Regardez, je peux pas ouvrir les tiroirs. Je peux pas lui prendre la main. Un coup de hache? Ah oh, putain, vous êtes horrible, le coup de hache. C'est pas bête, hein. Pierre, feuille, ciseaux. Ah, la montre à gousset. Faut qu'on la trouve, elle est peut-être dans le jardin, la montre à gousset. Hein. Go planter des carottes. Je te coupe la main, moi. Je te coupe la main. Non, ils sont fous. Je vais me faire karma, hein. J'aurais pas dû faire ça. Je vais me faire karma. On va tester la petite clé qu'on a pour le jardin. Il y a peut-être un truc à ramasser avant de venir ici, non? Il y a quand même des trucs bizarres qui sont mis à apparaître. Hein. La corde, elle était pas là. Hein. Bah ouais, mais la fleur au mur, je peux rien faire. Peut-être que la fleur au mur, ça veut dire qu'il faut aller dans... Objectif, fuir la maison. Fuir la maison. What is this thing? C'est quoi cette chose? Oh putain. Les amis, il y a quelqu'un qui a les yeux rouges. Je t'ai attendu, Robert. What the hell is going on? All the light switches have disappeared. Tous les interrupteurs ont disparu. Oh merde, alors attendez. Attendez, c'est quel truc du petit jardin? Je peux pas me barrer par là? Je crois qu'on a réveillé la bête. Cette clé déverrouille le petit portail dans le jardin. C'est ça, je crois qu'on pouvait pas l'ouvrir tout à l'heure. C'est ça. Oh mon dieu, on va trouver un puits à la The Ring avec quelqu'un dedans.
que ça mène tout ça. Sur le lieu d'accident, peut-être, non? Peut-être le lieu d'accident. Merci Kiroy pour le follow sur Twitch. Bienvenue à la commu. Comment ça va? C'est quoi? Merci Léane pour le follow. Bienvenue à la commu. Putain, je peux pas passer. Eh, attendez, on dirait pas un lieu de rituel? On dira un hôtel, les amis. Qu'est-ce que c'est que ce truc, l'ange de l'enfer? Je pense qu'il faut qu'on contourne. Je pense qu'à mon avis, je sais pas s'il y avait pas des gens qui vénéraient une créature et ils l'ont invoqué. I can't believe it. This church. J'y crois It's pas, like cette église. C'est comme si je retraçais les pas de mon père. Le même air de tranquillité, l'odeur familière des bougies. C'est comme si sa présence persiste ici pour me guider à travers l'obscurité. Je sais plus qui c'était à l'heure, j'ai l'impression qu'on joue le fils. Je pense pas que ce soit la hache pour l'arbre, les amis, parce qu'il y a une icône qu'on peut l'utiliser. Là, ils veulent clairement qu'on aille dans l'église. C'est une église, ça? Regardez, avec la flèche. Vous pensez qu'il y a quelqu'un enfermé dans le puits? Merci Jenny pour le follow sur Twitch, bienvenue à la commune. Oh non, j'en ai marre des croix inversées. Je propose, avant qu'on aille là-bas, on va voir ce qu'il y a dans la petite chapelle où il y a la croix inversée. Une petite balade au calme, ouais. Merci Loïc pour les 150 bits, merci beaucoup. Vous savez à quoi ça me fait penser, ça? Ça me fait penser à Blair Witch. Vous vous souvenez le film Blair Witch où il y a tous les mains des petits enfants dans la maison de la sorcière à la fin? Ça me fait penser à ça. Merci Salomé pour follow sur Twitch. Bienvenue à la commu. C'est vrai? Merci Barlou. Très content que le jeu vous plaise. En fait, j'ai un peu peur parce que... Je me demande s'il faut pas qu'on aille là d'abord. Non, il y a une porte. Non, non, non. Ok, on va fouiller là d'abord. Mais ça ressemble à un point de non-retour, ça. Cet hôtel-là. C'est toujours en train de t'observer. J'ai l'impression qu'il y a un petit bruit de bébé. C'est vrai, Salomé? Ah, t'inquiète, on va crier ensemble. On aime bien crier ici. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Ah non, attendez, c'est pas Mothman. C'est un homme corbeau. J'ai l'impression que c'est un crâne avec des ailes de corbeau derrière. À mon avis, il y a une secte. Et à mon avis, c'est celui qui tient la secte. Salut Rodan, ça va? Bonne fête de Noël à tout le monde, les amis. À ceux à qui j'ai pas encore souhaité. En tout cas, on va pouvoir y accéder depuis l'étage. On va passer par le chemin qu'indiqué. Voilà pourquoi les plumes, c'est ça, Daf. Il y a un lien avec le corbeau. Je pense que, à mon avis, ils invoquent Mothman. On va aller fouiller. Avant d'ouvrir la porte, on va voir si on peut passer. Putain, il y a une toile d'araignée à la con encore, je déteste ça. C'est tout con, mais s'ils mettent une araignée devant moi, ça me... Je vais passer dessous, je m'en fous. J'ai continué mes recherches. Elle a été mentionnée dans divers documents historiques, y compris du folklore amérindien. Elle doit exister depuis des siècles. J'ai également découvert un livre sur le paranormal et divers cryptides. Cette créature y était répertoriée comme l'une des créatures les plus terrifiantes.
Selon les légendes, on l'appelle couramment Mothman, le prophète du jugement. La créature apparaît avant les tragédies ou catastrophes majeures. J'ai peur qu'elle tente de nous avertir d'une catastrophe imminente. C'est comme si je faisais face à quelque chose au-delà de mon entendement. Je sais pas si elle a apparu d'elle-même ou si ils l'ont invoquée. Vous en pensez quoi? Vous pensez qu'elle est venue d'elle-même? Parce que c'est vrai qu'ils ont un accident de voiture, sa femme est décédée. Vous pensez que c'est Mothman qui est arrivé pour prévenir de ça? Ou vous pensez qu'il y a une espèce de secte qu'il a invoquée? Bah, on pouvait pas ramasser Aloé. Merci Oxkiss pour follow sur Twitch. Bienvenue dans la commu. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de secte à côté de ça. Parce qu'il y a Mothman, mais on voit des plumes de corbeau depuis tout à l'heure. Et là, il y a une église un peu chelou. Je pense que... il y a autre chose que Mothman. Moi, je pense que, ouais, il a été amené ici. Merde, on peut pas ouvrir la porte. Alors, il y avait peut-être une clé sur l'hôtel. On va aller voir. Attendez, je peux pas... je peux pas défoncer la porte comme ça. Merde, je peux pas ouvrir la porte. La flèche, elle nous montre ce tableau. On va aller voir devant l'hôtel. De toute façon, quand je peux utiliser la hache, on voit l'icône. Merci Elé et Hawkwarts Pro pour le follow sur Twitch. Bienvenue à la commune, bienvenue à vous deux. Ah, vous avez raison, autant pour moi, vous avez raison. Un briquet type Zippo, il sert à enflammer divers objets tels que des bougies et bénitiers. Il y avait des bougies devant la porte, je pense que c'est pour ça. Par contre, j'ai pas envie de me retourner là. Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu sais où tu es? Je crois que c'est lui, il avait des ailes, les amis. Il avait des ailes. Il semble que l'entité suive tous mes mouvements, défiant l'évasion où je cherche la tranquillité. On a combien de piles? Ça va, il nous reste 5 piles. Je viens juste de les recharger. En vrai, en piles, on est bien. Ouais, je pense, j'ai l'impression qu'il est pas venu de lui-même. Je comprends pas pourquoi il y a des plumes de... Examiner. Comment je peux le... Je peux pas l'associer à une touche, ça? Je peux rien en faire du briquet. C'est bizarre. Non, on a autre chose à faire. On n'a rien loupé à l'étage. Ah ! Putain, la toile, elle fait chier, la toile d'araignée, j'ai oublié. J'arrive pas à allumer les bougies. J'arrive pas à mettre l'objet dans ma main, en fait. Examiner, shift, je sais pas ce que ça fait ça. Ça, franchement, je comprends pas. Je peux pas le mettre en raccourci en fait, c'est bizarre. Ah, attendez, retourne à la maison. Fuir à la maison, faut qu'on retourne à la maison, les amis. L'objectif vient de changer. Il est pas venu lui-même, KTL, je suis d'accord avec toi. Je suis le seul à avoir eu peur de avec la toile d'araignée ou pas? Merci Luca pour follow sur Twitch. Bienvenue à la commu. On peut pas revenir? Si. C'est bien ça, hein. Fuir la maison, retourner à la maison. Les échos de ton passé résonnent à travers ces murs. Il était à l'étage. Je sais pas si vous avez vu, mais il était dans la chambre de la fille. Il était là, je l'ai vu. C'était allumé. On voyait vite fait une ombre. The door is jammed and won't open. Merde, la porte elle s'ouvre pas. Je dois trouver un autre moyen pour rentrer à la maison. C'est quoi ça? Ça c'est pareil, c'est quoi? C'est un truc de sorcière ça, non? Non, c'était une petite hutte qu'il voulait faire.
Je peux pas passer dessous. Ok, on faut qu'on trouve un autre moyen pour entrer à la maison. Le puits, vous pensez? Peut-être le puits, non? Je sais pas où il était le puits, ça se trouve il y a un passage souterrain. Le grand grillage, ouais mais je peux pas y accéder les amis. Le grillage de devant, je peux pas. Ça je peux pas, hein. Y a pas d'icône en fait. Il y avait un puits, je me demande si le puits, on peut pas passer par le puits. Je serais pas étonné qu'il y ait un passage souterrain avec un sanctuaire de l'espèce de secte là. Ouais, on va essayer de contourner l'église, on y est là de toute façon. On va déjà checker le puits. Les visions ne s'arrêtent pas, cette chose sème le chaos et la destruction dans notre village. Je ne sais pas s'il s'agit de rêves prémonitoires ou de mon imagination, mais ils sont tellement lucides, j'ai l'impression qu'ils me consument. Je crois que cette putain de créature, cette entité ou je ne sais quoi, est une manifestation typique des peurs et angoisses les plus profondes de l'humanité. Eh ben t'es dans la merde mon gars. C'est comme si elle nous prévenait des aspects les plus sombres de notre nature. On n'a pas essayé de contourner l'église encore, on va voir. Oh my god. Non mais c'est pas une église normale ça. Il y a la mort de partout. Merci cousin Blaze pour le follow sur Twitch. Bienvenue à la commune. Placer la main de statue. Ah, il y aura une main de statue à trouver. Quelle heure il est les amis, ça va. Normalement on finit ce soir, hein. Je pense pas que le jeu, au pire on en a pour une heure maximum, mais... Est-ce qu'il y a une main de statue à placer là? Il y a plein de trucs à faire. Je pense qu'on va... En fait je pense pas qu'on va rentrer dans la maison, il va se passer quelque chose à mon avis. Regardez, il y a du sang par terre. Merci Léo. On va regarder un peu ce qu'il y a dans ce coin là avant de rentrer, de speeder sur la maison. J'ai envie de savoir ce qu'il y a un peu ici, ce que c'est ce truc. C'est des tombeaux. Les croix sont pas à l'envers. Oh mon dieu! Disgusting. C'est un tronc. Les croix sont dans le bon sens, donc c'est pas forcément... Le seul truc qui est un peu bizarre, c'est que bah, y a le tronc d'une personne, quoi. Donc ils ont arraché les membres de quelqu'un avant d'enterrer. La nuit dernière, j'ai rêvé que quelque chose tentait d'enlever mes enfants. Je me suis réveillé avec des sueurs froides, il faut que j'agisse. Je dois tenter de chasser cette créature avant qu'il ne soit trop tard. Ah, la main dans le miroir, c'est peut-être celle de la statue, c'est pas bête Emma. C'est pas bête du tout. C'est peut-être ça qu'on va les récupérer dans la maison. Oh la montre! Parfait, il nous fallait la montre. Robert. C'est notre tombe, les amis. Nous, on joue Robert, non? C'est ça? Le fils, il s'appelle Robert? Ou c'est le père? Ouais, c'est nous. Ça se trouve, on est mort et on est dans le purgatoire, j'en sais rien. Mais moi, je pense qu'on est plus dans le coma, à mon avis. Je sais pas. Par contre, on a la montre, mais on peut pas retourner chez nous. Hein. Comment on va faire pour retourner dans la maison? Comment on va faire pour retourner dans la maison? J'ai l'impression qu'il faut trouver la main. Je pense que c'est par là et qu'il faut trouver la main quelque part. Placer la hache. Ah, attendez.
faut qu'on trouve une main. La main de la statue. Ok, la main de la statue, elle est par là, je pense. Oh, mais regarde, c'est quoi ce banc? C'est quoi ce banc? Qui c'est qui se fait piquer? C'est plus une table d'acupuncture, là, c'est pour se faire piquer le cul et... Le briquet dans le bénitier? Je crois que j'ai essayé, non? Je vais réessayer. Ah ouais, bien vu. Ok, alors faut allumer toutes les... Faut tous les allumer. Il y en avait plusieurs. Il me semble qu'il y en avait plusieurs. Le banc anti-pigeon. Ouais, c'est un peu ça. Il me semble qu'il y en avait d'autres, hein. Ah putain, la toile d'araignée, ça m'énerve. Ou alors ça fait apparaître quelque chose déjà. I've been waiting for you, Robert. Je t'attendais, Robert. Est-ce que tu m'as oublié? Ça a commencé à allumer des bougies. Je pense qu'il y a 4 bénitiers à mon avis. Un pour chaque bougie, non? Je le vois bien comme ça. Et dans cette porte, à mon avis, dans cette porte, il y a la main de la statue. Mais c'est bizarre, je trouve pas les autres par contre. Dans la chapelle, vous pensez? J'ai pas vu le truc... Oh, il y avait une lampe, j'ai pas vu. J'ai trouvé d'étranges symboles gravés dans la terre devant notre maison. Ils semblent provenir d'une griffe. Je n'y comprends rien, mais je sais qu'il s'agit d'une mise en garde. Ma fille n'arrête pas de parler de cette entité. Toutes les nuits, elle entend des murmures qui suggèrent de sortir. Je m'inquiète pour sa sûreté. J'ai pris la montre, il y en avait? Ah, attendez, déjà, il y en a un là. Ouais, il me semblait qu'il y en avait peut-être dans le cimetière, mais j'étais pas sûr. Donc, il y en a un là. Donc, on va vérifier si s'il y a bien une deuxième bougie d'ouverte, mais je pense que oui. Ouais. Ok, c'est ça. Donc, il y a moyen qu'on en ait loupé une au cimetière, effectivement. Ça prend pas feu, hein. Non. Ça s'ouvre, ça, cette petite porte? Ouais, alors on va pas l'ouvrir vu la toile d'araignée de monstre qu'il y a. Ça, à mon avis... Ah putain, j'en peux plus des toiles d'araignée. Faut arrêter avec les toiles d'araignée, sérieusement. Est-ce qu'il y en avait une autre derrière? Non. Merci, Sir Ninja Noob, pour le follow sur Twitch. Je vais venir à la commu. Attendez, je regarde. Là, il y en a une, là, déjà. Et à mon avis, on a une quatrième dans le cimetière. J'en vois bien une par ici. Là, regardez, on la voit. Elle est là. Parfait, on a les quatre. Nickel. Et à mon avis, il y a la main dans le petit cabanon à côté de l'église. Qu'il y avait quelque chose au sol, mais non. J'en peux plus la toile d'araignée. J'en peux plus la toile d'araignée, je vous jure. Il y a encore le miroir pété, comme dans notre maison. Ok, il y a la main. Ça a été dans le sous-sol, les amis. Là où il y a la main qui sortait du mur, du miroir, il y avait ça. Je sais pas si vous reconnaissez. Tu n'appartiens pas ici, Robert. Boîte à bijoux. Moi aussi, je pense qu'on est dans le coma. Je pense qu'on est dans le coma. Ça expliquerait plutôt bien le jeu, je pense. Hein. Mais pourquoi dans le coma, on verrait Mazeman, là. Je sais plus comment il s'appelle. Je me dis qu'il était vraiment là dans la réalité et qu'on le voit aussi dans nos rêves. Ou est-ce que je veux dire qu'on est peut-être dans le coma, mais que c'est... Merde. Mais qu'il a vraiment été là.
Motsman, ouais. Ok, on va pouvoir retourner dans la maison. The gate's shut. Le portail no est fermé. Back now, only forward. À partir de maintenant, plus de demi-tour possible, je suis obligé d'aller de l'avant. Oh putain, il dit ça en plus, il y a eu une icône de sauvegarde en haut à gauche, je sais pas si vous l'avez vu. Salut Joa, comment ça va? Coucou les arrivants. C'est nouveau, ça vient de sortir. Il y a des monstres maintenant. Putain, j'ai plus d'endurance, les amis. J'ai plus d'endurance. J'ai plus d'endurance. Je vais vers où? Non. Oh putain, cette chance. Je l'ai esquivé, je sais pas quoi. J'ai plus d'endurance. Je panique, je vais n'importe où. Non. Je le fais asseoir sur le truc où il y a des... Je sais pas où aller. Je sais pas où aller. J'ai plus d'orbe, j'ai plus rien. Je peux pas lui éclairer la gueule. Je rêve, il y avait un petit... Ah mon dieu, il y en a qui sont par terre. Il y a un mec avec des cornes par terre. Vous l'avez vu, il y en a partout. Mais c'est quoi, ils sortent des tombes? Je pense qu'ils sortent des tombes. À mon avis, ils sortent hein, des... Ouais, mais maison, je sais pas comment y aller, les amis. La hache, je l'ai plus. Je pense pas qu'il faut fight, les amis. Hein. C'est pas fait pour combattre. Faut qu'on trouve le bon chemin. Mais dans la lumière, il venait, hein. J'étais tranquille devant la lumière et il est venu me gueuler à ça de moi. Je pense qu'il faut qu'on trouve le chemin pour la maison. Heureusement, ça a sauvegardé juste avant. Je pense qu'il faut aller de lumière en lumière, mais... Celle-là, elle est là. Ou alors, je dois passer par là, peut-être. Non, mais il s'en fout de la lumière. Regardez, il s'en fout. Il en a rien à foutre de la lumière. Je peux rien faire avec le banc, les amis. Il faut fuir. Ah, putain. Non, il y a une... Non, il faut fuir. Regardez, là, je me prends des cracks. Faut arrêter. Faut que je fuis, là. Il y a une lumière là, mais... Putain, je vois rien avec la lampe. Je peux sauter après, hein. Ok, je peux sauter. C'est bon, c'est là. Merci Kenny pour le follow sur Twitch. Je vais venir à la commu. C'est bon. Comment ça se fait? J'y crois pas. Quand j'étais petit, j'ai vu ces monstres dans un jeu vidéo d'horreur auquel j'avais joué. Ah, peut-être qu'il y a son subconscient qui se mélange. S'il est dans le coma, ça expliquerait pourquoi il y a son subconscient, les monstres qu'il avait vus. Merci Gabriella pour le prime. C'est le quatrième mois. Merci beaucoup Gabriella. On va aller à l'étage, poser la montre. Il est encore là avec son cheval de l'enfer. La montre à l'étage. Je crois qu'il nous manque plus que ça. On a éventuellement l'horloge où il nous manque une aiguille. Mais Ah non, on a la main. On a la main aussi. Non, le bénitier, je crois pas qu'il y avait quelque chose à faire, les amis. On a déjà fini l'énigme du bénitier. On retournera s'il faut, mais... C'est notre femme ? Je pense que ça représente notre femme. Est proche. La clé de la cuisine.
but I need to get the hell out of this place. Ok, on peut passer par la porte de la cuisine. J'ai vu le bénitier, mais je pense pas qu'il y ait quelque chose à faire, les amis, dessus. Merci Marie pour le follow sur Twitch. Même bien la commu, si on est bloqué, on ira. Ma mère? Oui, ma mère plutôt, t'as raison, Soy. Vu qu'on joue le fils, c'est ma mère. Merci Mazempo pour le sub, merci beaucoup. Je vous mettrai un nouveau sub goal, les amis. En quoi vous voudriez que je fasse un cosplay? Après TikTok, ils aiment pas les cosplays, ils me bannent à chaque fois parce qu'ils aiment pas les maquillages Morgan Makeup. J'aurais bien refait le clown de Il est revenu. Là, on va faire Samara de The Ring. Dans le mois. J'aurais bien fait ça ou Freddy les griffes de la nuit. So, je l'ai fait il y a pas longtemps, il y a le let's play sur YouTube. Je l'ai fait pour Halloween, il y a très peu de temps. Je peux pas vous mettre les liens sur TikTok, ça marche pas, babas. C'est pour ça qu'il faut que vous regardiez sur YouTube. YouTube, il n'y a pas besoin de logiciel ou quoi que ce soit. Vous allez sur YouTube, dans la partie bio, vous avez le lien vers le Discord. Je peux pas, sinon, si vous doutez bien, si je pouvais mettre des liens sur TikTok, j'aurais déjà fait. En Morgan Makeup. Oh. Je continue de voir cette chose dans mes rêves. C'est comme si elle tentait de me dire quelque chose, mais je ne comprends pas ce qu'elle veut. J'ai l'impression de perdre ma tête. Ma famille pense que je suis paranoïaque, mais je sais que quelque chose ne tourne pas rond. Je sens que je pourrais mourir à tout moment. My flashlight died and all my batteries are gone. Ma lampe torche vient de casser et toutes mes piles sont parties. Faut qu'on avance sans lampe, les amis. Allume 3 bougies pour dissiper les murs. Ok, faut qu'on trouve des bougies, on en a 3 apparemment. On a le sous-sol, l'étage et la salle du PC. La salle du PC, c'est au rez-de-chaussée. Ça va être chaud d'avancer dans le noir. Merci Cédric pour follow. Bienvenue à la commu. Ça va où ça? Non, c'est pas là. Là, c'est où on a vu un. On s'était pris un jumpscare vers le début. En plus, je suis nul en sens d'orientation. C'est pas là. On va suivre les bougies. Je crois que c'est... Il a des plumes de corbeau. Non, c'est un papillon. C'est un homme papillon. Je suis pas sûr d'avoir envie de voir sa gueule. On veut pas voir Jenny, on est d'accord. Hein. Dans les secrets de l'éternité, l'air attendant ton retour. On dirait qu'il parle de notre mère des fois. Je crois que la salle du PC, elle est là. Non, on est obligé de passer devant lui pour accéder au PC. Il y a une bougie ici, normalement. Parfait. Il y en a une au sous-sol et une à l'étage. Vous voulez commencer par... Vous voulez faire quoi après? Sous-sol ou étage? Dites-moi dans le chat. Sous-sol ou étage, maintenant? C'est vous qui choisissez. On peut faire les deux. Moi, j'aurais bien fait le sous-sol, parce qu'après, à l'étage, il y a la montre à gousser aussi. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Mais vous êtes majoritairement pour l'étage, j'ai l'impression. De toute façon, on fera les deux. Hein. Sur TikTok, c'est vachement partagé. Sur Twitch, il y a peut-être un peu plus de sous-sol sur Twitch. Merci Admiring pour le follow sur Twitch. Bienvenue à la commu. Il y a un peu plus de sous-sol. Je crois que je vous ai influencé en disant ça. Mais oui, ce que je veux dire, c'est que la montre à gousser, il va se passer un truc. Je me dis, autant le garder pour après, en même temps qu'on fera la dernière bougie. Putain, cette croix, elle est toujours à l'envers. C'est l'enfer.
Merci Rogmonts pour le follow sur Twitch, bienvenue dans la commu. Sous-sol, c'était vers l'entrée, hein. Quelqu'un dit sous-étage, mais en même temps, moi, je serais capable de dire sous-étage, hein, je suis dyslexique. Merci, merci Queen Lati pour le follow sur Twitch, bienvenue dans la commu, bienvenue aux arrivants. Bienvenue aux arrivants sur TikTok aussi. Robert, my dear. Robert, mon amour. Non, Robert, c'est pas le fils, les amis. Robert, c'est pas le fils, hein. On entend la femme, hein. Je suis pas sûr qu'on joue le fils, les amis, hein. Je crois qu'on joue le mari, hein. Not again. Pas encore. What is happening with these cursed walls? Qu'est-ce que ces murs maudits veulent de moi? La bougie à l'étage. L'étage en plus, il est immense. Je pense qu'il y a des petites bougies allumées à côté de l'endroit où faut le faire. Peut-être la femme du fils. Je sais pas, hein. Ce serait pas ça. Regardez les petites bougies, je crois que c'est ça. Je crois qu'on a trouvé pour l'étage. Ok, il reste plus que celle du... Ah mais merde, on avait dit sous-sol. Je suis allé à l'étage. Bon, vous voulez qu'on prenne la montre? On prend la montre maintenant. Merci Didier pour le follow. Bienvenue à la commu. On va peut-être faire le sous-sol, non? J'ai peur de faire bugger le jeu ou quoi que ce soit. On va aller faire le sous-sol et on gardera la montre après parce que... Je voudrais pas prendre le risque de faire bugger le jeu ou quoi que ce soit, on sait jamais. En fait, je crois que je cherchais le sous-sol et sans faire exprès, j'ai pris l'escalier, mais c'est pas grave. Le sous-sol, il est là. J'hallucine comme j'arrive à me... Ah, peut-être que sous le sous-sol, la bougie, c'est la main qui la tient, non? Parce que si cette histoire de main, on... Ah putain, ça s'est fait emmurer. Ok, c'est pas là. C'est là. Ah putain, je l'ai vu au dernier moment. Je crois que c'était pas Mothman, les amis. C'était quelqu'un. Je sais pas si c'était notre femme, mais c'était pas Mothman. Fuir la maison. Moi, je pense que... On a lu normalement ce qui est écrit sur le cadre. Je crois pas que c'est changé depuis tout à l'heure. Tu as besoin de te réveiller, Robert. On va aller prendre à l'étage la montre, ok? Je sais pas s'il y a plusieurs fins dans ce jeu. Je pense pas. Mais peut-être qu'il y a plusieurs fins au jeu. J'en sais rien. J'ai pas regardé. Je crois qu'on peut pas retourner dans cette partie. Salut Sprohan, coucou tous les arrivants. Merci beaucoup, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes aussi, les amis. Et vous allez bien réveillonner... Aussi... Oh my god, il est en train de déployer les ailes. Il est là. Il y a trop de chat? Non, Loïc. Non, non. Après, je peux pas lire 100% des messages entre... je veux pas savoir combien vous êtes sur Twitch, sur TikTok, là, on était autour des 400, donc... si on tourne aux alentours des 1000, je peux pas lire tous les messages, c'est impossible, personne peut. Mais je lis le chat, y a aucun souci. Soit sur les deux. Non, la montre, elle est là. Je crois qu'elle est là, la montre. Elle est où, la montre? Il y a pas une porte? Je crois qu'il y a une porte juste là. Il est temps de confronter la réalité. Elle est là, la montre. Mais je suis pas sûr que j'étais obligé de le faire, ça. Ça sent l'heure de la révélation, ça. Ouais, ce genre de musique, en général, c'est que... On va pas tarder à avoir un petit peu... Ah, il y a trop de chats, Loïc. Ok.
pas remarqué, Robert, que le temps n'est qu'une illusion dans la vastitude de l'éternité? Néanmoins, ton temps presse. Enfin, en m'éloignant des souvenirs qui m'ont hanté, en me libérant de l'emprise de cette maison et du mal de la perte, c'est bien le père. Je peux enfin respirer. Il est temps d'embrasser le présent et d'aller de l'avant. Docteur, il se réveille. Putain, il était dans le coma, je le savais, les amis! Il était dans le coma. En fait, le moyen de sortir du coma, c'était d'affronter ce qui s'est passé, je pense. C'était le moyen de sortir du coma, en fait. C'était sa lutte intérieure pour sortir du coma. Fallait lutter contre ce qui l'avait hanté, ce qui s'était passé avec sa famille. Et du coup, il a bien perdu sa femme dans l'accident. C'était cool, hein. Il vous a plu, le jeu? Très bon jeu, hein. Il avait des super bonnes critiques.